Dans un monde féerique, enfin pas trop quand même, 5 aventuriers partent à l'aventure à l'aide de leur maître du jeu, Sonata. Mais seront-ils à la hauteur des défis qu'ils devront relever? Vous le saurez en les suivant sur Twitch. Bienvenue dans Time to Roll, votre émission JDR de Reste Geek. Bonjour et bon retour sur Time to Roll pour notre émission de jeu de rôle hebdomadaire. Donc ce soir, nous retrouvons tout le monde sauf Thalas, bon débarras, pour continuer notre aventure à Xanyouf. Suite à l'épisode précédent, ah mince, il est de retour. Tant pis, on fera avec. Donc suite à nos aventures précédentes, nos personnages ont pénétré dans un temple aux mœurs douteuses pour essayer d'y décoter des informations suite à une habile stratagème de Kestis pour détourner l'attention du grand prêtre. Ils ont réussi à récupérer quelques maigres informations et d'un peu tous les côtés, notamment grâce à la participation de Stalas et Tipo qui ont réussi à récupérer un vil assassin dans la rue. Et qu'ils détiennent maintenant sous leurs joues avec un couteau sous la gorge, et tandis que nos trois autres protagonistes sont venus dans le temple, ont dégoté des informations sur ce qui se passait dans le temple de manière légale, notamment Arcos et Kestis qui se sont démenés pour sauver Natiz d'un accident, ce qui leur a valu en off un bonus de 10 points d'XP chacun. Nous allons si vous donc savoir ce qui s'est passé allez sur les réseaux. allez sur YouTube, regardez la relief. Ça va être, je pense que c'est. Qui assez, sortira dans la soirée, elle est en montage, elle est en rendu. Dans la soirée, voilà, parfait. Il y aura une relief qui sera probablement incroyable, notamment. Mais j'avais un petit teaser sur les réseaux. Ouais, les clips sont suffisamment incroyables comme ça, il faut l'avouer. très bien. Passe. Nous allons reprendre directement là où nous étions, c'est-à-dire que nos personnages s'étaient retrouvés devant le temple. Stalas et Typhonion, directement équipés de leurs armes et accompagnés par un brigand qui a tenté de les assassiner, qui porte le nom de Yumrak, tandis que nos trois autres personnages attendaient devant suite à leur récupération d'informations auprès du grand prêtre du temple de la Foune. Et donc, à présent, que faites-vous? Oh putain. On utilise. Nous appelons Scarlet. Ah, vous croyez quand même pas qu'il y a que moi qui vais bosser en plus? On n'avait pas dit qu'on utiliserait le bandit qu'ils ont ramené. Avec, pour faire son rendez-vous et trouver son commanditaire. Oui, nous on devait pas aller au temple, Stalas. On est au temple. Et vous voulez retourner au club? Au club. Ah putain, c'est vrai que j'avais dit cette connerie, moi. Bon, on y va. Alors, vous avez Yumrak, du coup c'est Stalas, si je m'abuse. Qui a un couteau sur la gorge de Yumrak. Du coup, moi je veux bien que tu retournes au club, sauf que du coup t'as plus ou moins quelqu'un que tu menaces d'une arme blanche en te baladant ouvertement. Allez, dans la rue, plus on fait du tour. Non, parce qu'on le laisse. Voilà. Non, on le garde. Ok, d'accord. Je mets la dague coucou, c'est mon tour. Vous vous reséparez du coup? Ouais. Autant plus grand plaisir, désolé. Je sais plus pourquoi on l'a vu. Il y a des persos partout, c'est insupportable. C'est drôle. Ok, soit. On pourrait se séparer en 5. Hein. C'est pas faux. Ouais, mais j'ai qu'un corps. Bon, par contre, j'ai peur de la gourou du MJ qui tue tout le monde. Ah, c'est faisable, hein, mais il y en a beaucoup qui vont très vite se faire chier. Très bien. Littéralement, le couper en 5. Eh bien, je présume que c'est Typhonion, Stalas qui part d'un côté et vous trois qui restez avec la pauvre victime. Ouais, ils aiment pas marcher. Ouais. J'ai mis ma dague sur chaque fois. D'ici la fin de l'aventure, ils ont pris 2 kilos. Pardon. Qui veut commencer? Thibaut, franchement, c'est abusé. Sans déconner, 2 kilos 5. Je crois qu'on avait terminé la dernière fois.
Axelas, donc peut-être. Ah, pas ceux commencer là ? Merde. Bah, pendant qu'ils sont en train de marcher vers le club, on démarre, peut-être ? Ouais, ok, très bien. Ouais, parce en plus de ça, de mémoire, la semaine dernière, on était, c'est nous qui avions parlé en dernier. Très bien. On n'a pas encore appris, techniquement que Kestis avait baissé son froc. Si, si, ils nous l'ont dit quand même. Non, ça n'a pas été dit. Ah, ouais, j'avais une distraction qui m'avait permis de fouiller dans une armoire, mais c'est tout. Non, vous n'êtes pas encore au courant que Kestis est plus proche de niveau 2 que vous l'êtes. Le salaud. Le salaud. Très bien. Alors, que faites-vous à présent ? Donc, vous avez Yomra qui est plutôt détendu. Il a remarqué que vous étiez à moitié sérieux, à moitié dangereux, à moitié des bouffons. Donc, globalement, comment vous gérez ? J'ai pris la relève de Stalas pour avoir le couteau sous la gorge. Et si je me trompe pas, ils nous ont dit du coup que Yumra qui avait rendez-vous avec le commanditaire tous les soirs, je sais plus quelle heure. Minuit. Un truc dans le genre, ouais. Bah, du coup, je propose qu'on aille se planquer avec Yumra quelque part jusqu'à l'heure attendue. Déjà, il est pas 16h-17h. On peut discuter avec. Non, attendez, Arco, ça va vous dire quelque chose. Ouais, toi, tu t'es barré déjà, casse-toi. est-ce qu'on discuterait pas avec lui pour essayer de s'en faire un allié ? Genre, visiblement, il tourne à l'argent, on a de l'argent. Allons-y. Allez. A priori, 30 pièces d'or ont suffi pour lui faire faire le paix depuis presque une semaine devant une baraque. Oui. Alors, écoute, Coco, on cherche un mec et on nous a promis de l'argent pour le retrouver. Donc, si tu nous aides ce soir et peut-être un peu plus s'il faut, on veut bien te donner une petite part. Un peu plus s'il faut dans le contexte du scénario ou... Tu parles pas, toi, t'es pas là. Ce que je fais avec mon allié ne regarde que mon allié. Très bien, il plisse les yeux, il a l'air intéressé, il fait. Quel genre de part ? Alors, t'as fait quoi ? Une semaine, le pied de grue pour 30 pièces d'or ? Allez, je te propose 10 pièces d'or pour 2 jours de travail. N'étant pas excessivement compliqué et plus ou moins peu conscient des sommes qui sont investies, il accepte sans autre forme de procès. La somme étant, du coup, l'argument étant complètement valable. Pour lui, c'est une somme facile. Il dit, ok, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, ce soir, tu vas te pointer au rendez-vous habituel sans révéler à l'acolyte que nous sommes là. Et nous allons tenter de lui soutirer des informations sur le fameux bonhomme. Le bonhomme dont tu surveillais la maison. Tout à fait. Et si tu vois que tu n'y arrives pas, tu peux essayer de le restreindre et nous viendrons t'aider. Avec le mot code... Merde, c'était quoi le mot de code ? Brouette ! Brouette. Pardon. Très bien. Je me retourne pourquoi tu fais le brouette d'un coup ? Pardon, une réminiscence, continue de marcher. Du coup, il accepte sans problème. Le truc, c'est que vous êtes en milieu d'après-midi, hein, donc le minuit, c'est tard. Hein, donc c'est-à-dire que du coup, vous allez devoir attendre un certain temps jusqu'à la fin de la journée. Du coup, on va passer sur Typos Talas. Il y a un truc genre 16h-17h, non ? C'est pas ça ? Ouais, c'est vrai, bientôt le début de soirée, quoi. Ok, vous vous dirigez tous les deux à assez grande vitesse dans le nord-est de la ville pour rejoindre le club Jolif Enfant. On va éviter de marcher. Il est toujours... Je vais remettre le plan de Gjanyouf. Voilà. Il est toujours tôt pour un club de cet acabit. Du coup, ça semble fermé. Alors, vous voyez qu'il y a du personnel qui commence à rentrer et se préparer, probablement des barmanes. Aussi, des arrivages, vous voyez des charrettes tirées par des chevaux de trait qui commencent à apporter des tonneaux. Et du coup, il y a du petit personnel qui est en train de vider les tonneaux et de les descendre dans le club.
Que faites-vous? Alors, ça là, il y a deux solutions. Soit on descend interroger comme on est, soit on tabasse deux mecs, on prend leurs uniformes et on descend. J'arrive. Moi, j'ai une première option. Oh putain. On fait demi-tour. Tu vas dedans et tu te fais engager. Hippo, strip-tigeur. Le problème, c'est que je pense qu'on n'aura pas le temps. Ouais, non, on aura pas le temps. On aurait dû arriver il y a 10 jours. Mmh. Mais ça aurait été très drôle. T'aurais rapporté de la thune à la compagnie et des informations. On peut descendre en vrai. Ouais, bah on va demander à. On va aller demander à... aux pignoux qu'ils ont vend. Où est le patron? Qui est le patron et où est le patron? On a un truc très important à lui dire. Après, j'ai peur qu'il me réponde, le patron, ça peut être vous pour 5 pièces d'or. Alors du coup. Bah, je sais pas, Tipo, tu réponds pas, donc moi j'attends votre confirmation à tous les deux. Non, pardon, je... Il acquiesce de... Tant que je dis pas Stalas, tu fais chier ou autre, c'est que j'acquiesce. Ok, d'accord. Ah, vas-y, décris-moi ça plus en détail. Oh, Stalas, tu fais chier. Ah non, autre chose. Ah, l'autre truc, merde. Bon, du coup, tu vas, Stalas, ou... Ah ouais, j'y vais, et j'avance vers les deux gars. En plus, c'est celui qui est un peu plus snob, donc... Il y a Laura. Celui qui, Il est plus propre sur lui, pas tout ça. Donc j'y vais, je fais « Bonjour gentilhomme, je viens... je le sais bien que votre club est actuellement fermé, mais je souhaiterais m'entretenir avec le patron d'une affaire, ma foi, fort importante, et qui pourrait lui rapporter moult bénéfices. » Alors... excuse-moi, je vais errer 30 secondes sur ta fiche de perso. Pour savoir qu'est-ce que t'as de moi. Ah oui, j'ai pas bon. Elle bouge toute seule. Tu as méfiance. Il s'en sert même pas, ce couillon. Si, j'ai méfiance, mais pourquoi tu veux que je m'en serve? Je viens juste d'arriver. Ah non, c'est pas pour cet instant précis. C'est pour Thibaut que je vais être méfiant. Ok, très bien. De toute façon, c'est des gars qui sont en train de vider des tonneaux, enfin de descendre des tonneaux. C'est des ouvriers, ils travaillent même peut-être pas à la boîte. Hein. Donc, ils te disent, bah écoutez, le patron, à cette heure-là, il est probablement pas là. Puis vous savez, il est pas là 5 jours par semaine. Hein. Globalement, il a autre chose à faire. Hein. C'est un riche magnat. Le gars, il détient le club, il a son petit personnel qui travaille pour lui. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il se pointerait à part pour récupérer le paiement à la fin de la semaine? Oui, d'accord, mais il y aurait peut-être un gérant. Le club ne tourne pas tout seul. Ah, il y a un gérant. Puis je vous laisse deviner, il n'est pas locasse, hein. Puis il n'est pas commande. C'est un nain. Au bout d'un moment, si vous discutez avec lui, ça va être compliqué. Hein. Putain, un nain, il est riche de surcroît. Rassurez-moi, il ne fait pas partie de la garde, et il n'a pas perdu ses chantos. Non, pas à ce que je sache. Mais il a des actions dedans, ça c'est quasi sûr. Ah c'est bon, c'est pas le même nain alors. On peut tenter alors. Je laisserai bien y aller. Et moi je discuterai avec les gens. Parce que je veux voir de loin la discussion entre toi et un nain. Décrit comme pas commode, pardon. Ok, d'accord, très bien. Donc, qui veut commencer entre Tipo et Stalas, entre la discussion à l'extérieur et la tentative de Stalas presque vouée à l'échec? Du coup, Stalas descend et puis je discute pendant qu'il descend. Ça, puis... ça dépend qui fait les clips de la conversation. Si c'est moi, je risque d'être occupé. On va laisser Stalas parler tout seul. Un coup, il va nous dire que c'est le nain, un coup, il va nous dire que c'est lui. Je pense qu'il est suffisamment chiant pour se contredire tous. Ah, ça dépend, parce que tu m'envoies le scénar avant quand même pour savoir si je me cours ou pas. Alors, dis-moi tout. Du coup, bonjour. Je suis à la recherche de. J'ai pas pris mes notes, putain. Quelqu'un a son nom. Barnabé. Vous êtes à la recherche de vos notes, c'est ça le problème? Non, mais. T'es un illettré, mec. Barnabé. T'as pas de notes. Barnabé Floutard. Voilà.
Je suis à la recherche d'un certain Bernabé qui serait passé ici avec un anoracrose il y a une semaine. Est-ce que vous l'auriez vu? Est-ce que vous auriez vu des choses un peu bizarres par ici ou autre? Parce qu'il a disparu et sa femme s'inquiète beaucoup. Le gars que tu interpelles est un docker, donc du coup il était en train de porter des caisses. Et tu mentionnes Barnabé Floutard et l'anoracrose, il te regarde, il fait Barnabé, un anoracrose, éloignez-vous de moi, espèce de pervers. Et il se barre. Et c'est moi qui suis voué à l'échec. Oh putain. J'essaie de le rattraper, je peux. J'essaie de le rattraper, lui poser la main sur l'épaule, je fais attends. Vous avez l'air de connaître Barnabé, vous. Je vous veux rien de mal, je veux juste savoir si vous avez des infos pour m'aider à le trouver. Il se retourne, tu vois, il a l'air un peu... Mais il fait, non, je connais pas de Barnabé, mais vous commencez à me parler d'un Barnabé et d'un homme en anoracrose, on sait très très bien ce que les gens du culte de la foule font entre eux. Laissez-moi en dehors de ça, je suis quelqu'un normal, moi. Vous êtes sûr que vous connaissez pas de Barnabé? Aussi sûr que je ne connais pas d'orques. Okay. Ah, nous, on en connaît. Merci. Est-ce que vous connaisseriez quelqu'un qui était là il y a une semaine qui travaillait ici en tant que barman ou autre chose, qui aurait peut-être pu voir ce qui se serait passé? Bah. Vous avez les serveurs du club. Mais en dehors de ça, moi, je travaille pas ici. Je fais juste la livraison. Globalement, vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui passent. Hein. Mais globalement, majoritairement du gratin. Si les gens vivent pas au minimum au nord-est de la ville, ça ne sert à rien d'aller les chercher dans le club. Hein. Globalement, ils n'ont pas les moyens de se payer l'inscription. Ok, merci beaucoup. Bah, du coup, en vrai, je vais descendre et chercher ce qui ressemble à des serveurs. Du coup, Stalas est passé devant, donc je peux le... Stalas, que fais-tu pour essayer de rentrer? La porte. La porte sur laquelle il y a un écriteau en bois, sur laquelle il y a écrit ouverture à 21h. Les gars, ils étaient bien en train de décharger, c'est que la porte est ouverte. Hein. Bah, pas la porte d'entrée, la porte de service, mais du coup, il y a du personnel, il y a des gardes. Je passe par la porte de service en demandant bonjour messieurs, bonjour madame, mademoiselle, désolé. Bon, du coup, t'arrives devant la porte, il y a des gens qui font des allers-retours, et devant la porte, tu vois un gars qui a l'air d'être un gérant, ou du moins il est en train de gérer les stocks, il a une espèce de calepin à la main, il a une plume pour noter, et à côté de lui, t'as deux gars pas commodes qui font à peu près deux fois ta carrure. Mais globalement, ils ont le torse nu, viril, sans un seul poil, ce sont probablement des barbares. Le torse viril sans un seul poil, c'est pas viril. Mais bon, ça c'est une question de principe. Non, rien à voir. Le gars qui a la plume, il a ma taille ou il est deux fois plus petit? C'est pas un nain, c'est un humain. Bon, il fait ta taille si tu veux. Je sais pas quelle taille t'as décidé de faire, mais si tu fais ta taille réelle, t'es pas bien grand. Oui, c'est pas faux. Bah écoute, bah, je vais aller le voir et puis je vais lui dire. 1m69, ouais. C'est moyen. Je suis pas bien grand. Je suis pas bien grand, mais je suis pas bien petit non plus. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je suis à la recherche d'un individu et j'aimerais discuter avec vous-même, puisque vous me semblez gérant, ou alors votre supérieur qui tient le club, à propos d'une disparition d'un homme assez connu dans cette ville, un certain Barnabé. J'ai plus son nom. Floutard. Il est où le Barnabé Floutard? Un certain Barnabé Floutard. Il ne lève même pas les yeux de son calepin et il te dit le club joli fanfan n'est en aucun cas responsable d'une éventuelle disparition, d'une éventuelle inucléation, d'une éventuelle émancipation, d'une éventuelle disparition due à quelconque consommation d'alcool, de produits, de personnel, de rencontres étranges, de rencontres homosexuelles, de sorties étranges avec plusieurs individus, à une ou plusieurs personnes de sexe opposé au sien, même ou non déterminé par les sectes euclidiennes et cthuluiennes de la ville.
Vous pouvez circuler. Alors, ça, je m'en doutais. Moi, ce que je veux, c'est des réponses. Je vous accuse pas encore, mais on pourrait venir. Écoutez, monsieur, globalement, pour moi, je ne sais pas de qui vous parlez. Vous croyez que je connais le nom et le prénom de toutes les personnes qui viennent enlever leur slibard ici? Pas vraiment, non. C'est pas vraiment mon métier. Globalement, le gérant, il refusera de vous voir. Parce qu'il a franchement autre chose à faire. Surtout que lui, son temps se compte en pièces d'or. Globalement, votre personne, c'est qui? C'est un membre éminent du club? Parce que si c'était un membre éminent du club qui avait disparu, globalement, on aurait déjà toute sa garde personnelle sur le dos. Ce long silence, Béa, est tout à fait rassurant. Écoutez, bon monsieur, c'est soit vous m'aidez à retrouver ce noble, soit je vais aller voir son supérieur pour lequel il travaillait, et qui est très connu dans la région, qui est très apprécié, et je ne pense pas que la perte de son bras droit soit une bonne chose pour vos affaires. C'est qui votre patron? Un certain Barnabé Foutard. Non, Barnabé, c'est le mec qui a disparu. Je sais. Mais si jamais ça veut dire vraiment rien, bah, je rappelle, je sais plus comment il s'appelle le patron. Son patron, je vais mentir, c'est pas grave. Comment il s'appelle le patron déjà des vins? J'ai oublié. Il est pas noté. Le patron des vins? Oui, Barnabé Foutard, il travaillait avec le gars qui. Avec un magnat du vin, en effet, oui. Oui. Et qui est assez puissant dans la région. J'avais pas noté. Charles de Martigan. Ah, voilà. Je savais qu'il y avait un 2, ouais. Mais alors... Et voilà, je viens de la part de monsieur Charles de Martigan. Je pense que voilà une bien mauvaise non-coïncidence. Monsieur de Martigan est connu pour ne pas fréquenter notre club. De plus, je pense que le fait que ses partenaires fréquentent notre club nuirait grandement à sa réputation. Vous savez, nous sommes extrêmement discrets. Alors, le truc, c'est que je ne sais pas si le disparu fréquentait réellement votre club. Je sais juste qu'il avait un rendez-vous à côté de votre club, et j'aurais aimé savoir si, il y a 3-4 jours, des gens auraient aperçu des choses qui sortaient de l'ordinaire. Oh, vous savez... Nous sommes un club qui travaille spécifiquement dans le milieu de la discrétion. Je pense que votre disparu est un homme très intelligent. En effet, avoir choisi très précisément de se rencontrer le soir derrière ce club-là, c'est d'une perfection absolue. Vous savez, nous faisons en sorte que les gardes ne traînent pas trop dans le coin après minuit. Parce que globalement, lorsque vous finissez dans un club comme le nôtre, nous pouvons vous avoir dire quelques aventures. Et ces aventures nécessitent une grande discrétion. Ainsi, nous faisons en sorte que les gens ne farfouillent pas trop dans le coin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me semblez bien au courant, monsieur, puisque je ne vous ai pas dit qu'ils s'étaient rencontrés de nuit. Oui, mais le MJ, lui, il sait. C'était rendez-vous à 14h. Non, rendez-vous à 14h, c'était après. Non? Non, c'était à 14h. C'est vrai que c'était rendez-vous à 14h. Ouais, c'est ça. J'aurais une dernière question avant de vous laisser à vos occupations, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Votre club est ouvert à partir de 21h si ma mémoire ne me joue pas des fous. Mais à partir de quelle heure commencent à arriver vos serveuses, votre personnel, afin de préparer votre salle? Le personnel arrive vers 17 ou 18h. Nous avons d'abord les livraisons de spiritueux et ensuite de nourriture. Nous avons, vous savez, nous avons une clientèle, ma foi, extrêmement fortunée et sélecte. Nous n'allons chercher que des aliments frais qui proviennent majoritairement de Glargue ou des productions de la ville. Nos serveurs arrivent vers 20h, 20h30 et ensuite nous commençons notre soirée. Alors je pense que non, eux non plus n'auraient vu. Eh bien écoutez, merci pour vos informations. Je vous présente mes excuses pour le dérangement et j'espère que votre club sera à nouveau bien rempli ce soir. Là, t'as les deux. T'as les deux barbares, t'en as qui fait. Ouais, c'est ça. Va chier avec tes piafs. Bon, merci, mon ami. Toi aussi, va chier avec tes piafs. Alors. Petit pognon. Bah, moi j'arrive au niveau de Stalas, je vois pas de serveur.
Non. Bon, bah... Chou blanc, Stalas. Pas trouvé d'informations, et toi? À mon avis, s'il y a... Vu l'heure du rendez-vous, 14h, eux, je viens d'avoir un très gentil monsieur qui n'était pas un nain. Je suis un peu déçu, mais tant pis. Il m'a dit que de toute façon, tout le personnel n'arrivait pas avant 17h, 18h okay. pour les livraisons. Donc si, si quelqu'un a vu quelque chose... Si rendez-vous, il y a eu à 14h, ça veut dire qu'il s'est... Tu vas la fermer ta gueule. Laissez-nous nous discuter, on fait ce qu'on veut. Si quelqu'un a vu quelque chose, il n'est pas du club. Ah, c'est ça, et c'est donc ils ont fait exprès rendez-vous à 14h parce qu'ils savaient qu'il n'y avait personne. Et quelque chose me dit qu'ils ne sont pas venus en cap non plus, normalement. Est-ce que c'est tu crois que ça vaut le coup d'aller demander à la villa d'en face? On n'est pas à 5 minutes près. Hein. Puis je pense pas qu'un autre malandrin essaiera de nous débourser nos bourses. Je peux me mettre sur mes poches. Non, c'est bon, j'ai tout. Attendez, petit dévin à la sauvage pour savoir s'ils ont su bien voler la tire. Non, je déconne. Du coup, nos trois comparses, que faites-vous pendant ce temps? Vous êtes devant le temple de la Foune avec votre prisonnier. C'est on s'est trouvé un petit endroit tranquille, peut-être, pour pas se faire repérer tout de suite. J'avais sinon proposé, vu qu'on a peut-être quelqu'un du milieu, d'aller à la guilde des voleurs. Passe une visite de courtoisie. C'est pas faux. Allez. Ou alors on retourne dans le temple. Non, autant aller à la guilde, on a le temps, il était que 17-18h, non? Moi je reste au temple et puis je vous laisse. Tu restes au temple, tu surveilles? Je surveille. Dit-il avant de rentrer dans le temple, le pantalon baissé. Très bien, donc Guybrush. Une chemise déboutonnée. Guybrush surveille et du coup nous avons. Ah bah je déconne, non, je vais. Ah non, tu déconnes, ah ok, non, je pensais qu'il était sérieux. Plus de mal, le mec il a décidé de baisser son froc, il était sérieux, là maintenant il l'est plus. mon horloge morale, elle est fraquée. Moi. Très bien. Du coup, vous arrivez très vite au centre de la ville, là où se trouve la guilde des voleurs, puisque de toute manière, c'est pas très très loin au-dessus. Hein. Et vu le temps qu'ils ont mis à marcher jusqu'au club Joli Fanfan, globalement, vous êtes arrivés avant qu'eux-mêmes n'arrivent au club. Yeah. Du coup, la guilde des voleurs porte bien son nom. Hein. De toute façon, vous êtes juste au-dessus de la baie des Plaisanciers et un tout petit peu à l'ouest des docks, donc l'ambiance est à peu près similaire, sauf que les bastonnades des barbares ont été remplacées par des parties de dés à même le sol qui finissent en pugilat. Vous entendez des couteaux sortir de leurs étuis dans les ruelles sombres. Et globalement, vous entendez plein de gens tous les 5 mètres qui disent « Mais est-ce que quelqu'un a vu ma bourse ?» Que faites-vous ? Déjà, je planque ma bourse. C'est un bon plan. Et on va toquer à la guilde, non ? Enfin, on rentre. Tu prends ton sac à dos, tu le mets devant toi. Alors, la guilde n'est pas vraiment un établissement... officiel. Alors, globalement, tout le monde sait où est la guilde des voleurs. Sauf que son dirigeant est quasiment introuvable, puisque du coup, globalement, c'est littéralement un hors-la-loi. La guilde des voleurs, on va dire que c'est plutôt une espèce de maison désaffectée, extrêmement bien pimpée, qui ressemble à une auberge, et qui, globalement, réussit à survivre aux yeux des gardes de la ville grâce à des pots de vin bien placés. Donc, vous arrivez à la repérer sans trop de difficultés, puisque du coup, ça se voit, ça ressemble à une auberge, il y a la fête, il y a le bordel. Il y a un videur, qui est un barbare, sans changer, n'est-ce pas? En même temps, les docks, ils sont à genre 200 mètres. Des barbares, il y en a à l'appel dans le coin, ils n'ont pas beaucoup de cervelle, vous leur montrez 10 pièces d'or, ils pensent gagner une fortune, et ils vous gardent la baraque pendant une semaine. Que faites-vous quand vous rentrez? Demande à notre cher ami s'il a des relations dans le coin. Ah oui, je connais les petits malandrins. Vous savez, moi, je suis pas le plus grand des voleurs de la ville. Dans le milieu, on m'appelle la Belette. Je suis un informateur. La Belette, c'est une fille, non? Pardon. Avec des cheveux violets. Le visiteur du futur.
Ah, je l'ai pas. Et du coup, il vous dit, ça dépend, vous cherchez quoi comme type d'information? Je peux essayer de vous dégoter. Bah, comme je vous l'ai dit, on cherche où est passé notre gars, donc si quelqu'un pouvait nous renseigner sur le sujet, ça pourrait être intéressant. Ok, d'accord, pas de problème. Sauf que tout ça, ça va coûter un peu du graissage de pâte. Donnez-moi un peu d'or et je pourrais voir ce que je peux négocier. Bon, par contre, c'est pas moi qui vais faire tous les frais, là. Donc, Non, mais je les partage à la fin. Ouais. Promis. T'avais qu'à pas avoir de la thune. À quel point tu penses qu'on peut récupérer des informations? Parce que bon, t'es gentil, mais ma bourse n'est pas tout à fait ce qu'il y a de plus plein. Je pense que 10-15 pièces d'or et je pourrais trouver où sont où est le dernier emplacement où a été vu votre gars. Vous savez, on est une grande ville couverte par la garde. Contrairement à ce qu'on croit, la garde, elle est nombreuse, mais elle est loin d'être incorruptible. Je pense qu'en graissant quelques pattes, je peux vous trouver le dernier endroit où il a été vu. Ça se tente. Eh bien, vas-y, Aline. Vas-y, allons-y. Ok, donc tu lui donnes l'argent? Bah ouais, vas-y. Ok, il récupère 15 pièces d'or, donc soustrait 15 pièces d'or de ton inventaire. Et vous le voyez marcher, mais nonchalamment, au sein de la guilde. Vous le voyez discuter deux, trois trucs. Il parle avec des personnes, il serre quelques mains. Vous voyez les pièces bouger de main en main. Et au bout d'un moment, il vous regarde, il vous pointe du doigt face à quelqu'un. Vous le voyez marcher quelque part dans la guilde, et là... impossible de le trouver. Qu'est-ce que vous faites? Bah... le voleur, avance vers notre gars. On avance vers... enfin, moi, j'avance vers le mec qui nous a été pointé. Ouais. Ok. Donc, vous avancez tous les trois ensemble? J'ai envie de dire oui. Moi j'avance. L'union fait la force. Okay. Très bien. Ok. Globalement, c'est l'ambiance. Hein. Vous rentrez dans la pièce. Il s'agit. Ça ressemble clairement à une taverne. Hein. Sauf que là où la plupart des tables sont couvertes de chopes et de nourriture, là, la nourriture est majoritairement remplacée par des jeux de cartes, des jeux de dés. Vous voyez qu'il y a des pièces et des bourses qui traînent sur les tables. Bref, c'est un lieu d'échange, de commerce. C'est dégueulasse. Tu veux dire que c'est on retrouve plusieurs bonnes taux? Je l'ai laissé dans le temple la mienne, donc c'est bon. Genre, mais... c'est pas faux. Voilà. Très bien. Et donc du coup, il y a un gars qui vous bouscule, il fait monsieur dame, vous voyez qu'il lui manque trois dents, et il fait. Vous cherchez une petite partie de cartes peut-être, ou une partie de dés, quelque chose pour vous refaire, et vous manquez de sous. Le casino du pauvre. Je vérifie subtilement que j'ai toujours mes deux bourses. Lesquelles? Ok, les quatre, si tu veux. Ah non, trois, il y en a une qui est tombée dans le temple. Tes bourses sont impeccables, toutes, sans exception. On rappelle, hein, interdit au moins de 18 ans. C'est interdit aux mineurs et aux elfes, hein, c'est marqué en bas. Trop de clips possibles. Écoute, mon ami, j'ai derrière moi un pirate avec lequel tu ne préférais peut-être pas jouer. On va juste aller s'occuper de notre affaire et on décampe. Ok, du coup, vous voyez qu'il n'insiste pas, il lâche un manque de sourire. Fais-moi un petit jet d'adresse. Oh. Petite épreuve d'adresse. Oh, miracle. Propre.
Tu poses la main sur le poignet du gars, tandis que en essayant de te bousculer l'épaule d'un air de dire « ils n'ont pas voulu jouer à mon jeu, je m'en vais en n'étant pas content », il tendait la main vers la bourse située à ta ceinture. Ce lieu est dangereux. Très bien. Vous passez quelques instants à circuler à travers le monde assez impressionnant de l'endroit, jusqu'au moment où vous êtes bousculé de plein fouet par Yumrak, qui vous dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'étiez pas censé rentrer, vous allez tout foutre en l'air !» Ah, c'est ce que me disait ma copine. Est-ce que quelqu'un peut mute Stalas par pitié? Ça doit pouvoir se faire. Ah, merci. Ah. Bon, bah, la prochaine fois, dis-nous le plan à l'avance. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous devez rien faire. Normalement, j'ai trouvé votre gars. La dernière fois qu'il a été vu, c'était au temple de la Foune, là où on s'est retrouvé devant. Apparemment, plusieurs gars l'ont vu rentrer. Il était avec quelqu'un, un mec connu, un adepte du temple, mais un gars qui bosse là-bas. Et depuis, personne ne l'a jamais ressorti. Et le mec connu, là, tu pourrais nous donner quelques informations, genre, est-ce que ce serait ton client? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Un gars louche. On l'a déjà vu apparemment à la Guilde des voleurs. Le mec, il traîne dans des affaires étranges et on sait qu'il essaye de se faire de l'argent. Il n'est pas très très connu, c'est un mec qui fait profil bas et qui traîne pas trop dans les coups fourrés, mais globalement, on l'a déjà vu. On pense qu'il est en train de préparer un coup. En tout cas, il a embauché 3-4 gars qui travaillaient au doc et du coup, ça ressemble à de l'embauche de muscles. Ok, est-ce que t'as un visuel, une description de Gigalouche? Pas trop, vous savez, ce genre d'information, c'est extrêmement flou. Globalement, vous savez où les gens vont, où les gens vont, où vont pas. Mais globalement, à part vous dire que c'est un humain et qu'il a peut-être dans les 30 balais, c'est tout ce que je peux vous dire. Probablement en impair rose, vu qu'il travaille là-bas. Probablement. Ok, bon, bah, merci, c'est pas mal déjà. On se revoit peut-être ce soir pour s'occuper de notre opération. On se revoit ce soir, c'est... Bien, on retourne en chambre vers le temple, on va se trouver un petit endroit pour surveiller. Alors je dirais même, est-ce que tu vois l'endroit où tu retrouves son commanditaire à chaque fois? Est-ce que tu vois un petit endroit où on pourrait se planquer facilement sans se faire voir, mais assez proche pour entendre et pouvoir te venir en aide si besoin? C'est compliqué, le temple est assez ouvert. Mettez-vous derrière le temple, vous me verrez pas, mais si vous m'entendez crier, je vous ferai signe, vous le comprendrez, vous pourrez venir. Ok. Ok. Ça marche. Bah, du coup, on ressort. Ah ouais. On va dégager du quartier, là, c'est bon. C'est ça. Vous avez du bol, vous avez conservé vos bourses. Et du coup, vous vous êtes séparé de votre nouvel associé. Et que faites-vous à présent, maintenant? Quel est le plan? Bah, moi, j'irais bien refaire un peu un petit tour du temple, voir s'il n'y a pas un endroit où je peux me planquer quand même plus proche que derrière le temple. Tu veux pas creuser un trou et t'attendre dans le trou comme ça? Ah, j'aimerais bien. Ça glime de rien. Alors, je te laisse aller regarder sur le plan sur Roll20. Wow. Alors. Hop. Nous avons Oulet qui est dans le coin. Hop. Ouais. Là, tu es devant l'entrée du public du temple. Je vais te montrer où se trouve. Hop. Tac, 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 tac. Où est l'outil à dessin? Et voilà. Ici, c'était l'entrée du coup des artistes. Ouais, donc celle où vous avez vu le vieux Bernard. C'est ça. Et du coup, la grande porte devant laquelle tu te trouves là, c'est l'entrée des visiteurs, l'entrée du public. Et donc, il nous a dit, l'entrée du rendez-vous, c'est devant le temple. Enfin, le lieu du rendez-vous, c'est devant le temple. Tout à fait. Donc, vous voyez, c'est quand même assez ouvert. Au lieu d'aller derrière le temple, je me planquerais bien à côté de l'entrée de service, derrière le petit stand. Alors, c'était pas le club, Stalas. C'était juste une ruelle. Mais
Les restrictions budgétaires imposées par Resto Geek m'obligent à être extrêmement parcimonieux de l'utilisation de mes cartes. Il n'y a aucune restriction budgétaire, il n'y a pas de budget. Ce qui est une restriction budgétaire en soi. Je vois pas où est le problème. Mais, du coup, je disais, je vois deux planques possibles, vous me direz les gars, mais soit à côté de l'entrée de service, derrière le petit stand, soit dans le petit buisson de l'autre côté. Qu'en pensez-vous, messieurs ? En vrai, si c'est devant, je me serais même carrément mis dans le temple. Pantalon baissé. Après, on peut se séparer en trois. Un dans le temple, un dans le buisson, un derrière le stand. Bah, l'idéal pour moi, c'est d'avoir un endroit où je peux traîner avec mes invocations, quand même. Histoire de préparer un peu... Bon, en tant que pirate, tu fous dans le buisson, peut-être, du coup. Alors, je vois le plan venir concernant les invocations, juste pour prévenir que tu ne sois pas pris au dépourvu. Les invoques, c'est relativement rapide, ça demande qu'un tour, enfin deux. C'est pas discret du tout. Ça fait des effets pyrotechniques, globalement c'est impressionnant, et ça fait popper des chiens infernaux qui brillent dans le noir. Donc au bout d'un moment, juste pour que tu sois conscient, que c'est pas un plan d'assassin. Je vais invoquer un paix qui vole, ça devrait aller. Mais oui, ok, j'entends. Voilà. Attends, un paix qui vole ? Te pose un élémentaire devant. J'ai des choses que je ne vous ai pas montrées. Ouais. On a vu que deux pieds, Togo. Je sais pas ce qu'est un paix qui vole, mais pour moi, c'est un paix qui vole. Je comprends pas. Ouais, 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 c'est pour ça. Est-ce que tu voudrais bien nous l'écrire, s'il te plaît ? Parce que les grimoires, de manière extrêmement générale, sont assez fournis en matériel. Donc, globalement, il peut invoquer. Ouais, je suis pas étonné qu'il puisse invoquer des conneries. Non, ça, pas... Et du coup, si le plan vous va, les gars, je propose jouer Kélajar dans le temple et avec Guybrush, l'un derrière le stand et l'un dans le buisson. Comme ça, on a trois points stratégiques pour suivre un peu ce qui va se passer. Après, sinon, Guybrush et Kélajar peuvent s'embrasser et puis ni vu ni connu. Avec le pantalon baissé dans le temple. Jippo, on donne une idée et on fait un retour. Parce que des idées, j'en ai plein aussi. Non, mais j'ose espérer qu'ils n'ont pas faire ça. Ça peut. Oui, le Pékin vole peut tuer en un instant, ouais. Du coup, effectivement, moi je vais aller dans le temple et me recueillir sur les bancs dans la salle de prière publique. Très bien. Pas con. Notre MJ vient de perdre 10 points d'XP. Ouais. Oh, je suis pas d'accord. Bon. Okay. Très bien. Du coup, Guy va dans le buisson et moi je vais derrière le stand. Ouais. Ok. D'accord. Du coup, pendant que vous êtes en train de vous positionner à genre 18h. Oui. Comme ça, on a Tipognon. Et Stalas qui débarque et qui sort en mode. Ils sont pas. Et qu'est-ce qui branle ces couillons ? Non, non, nous on a dit. Nous on allait voir la villa en face. Véridique. Tu sais, nous on prend pas 6 heures en avance au rendez-vous pour changer. Non, on n'est pas là pour se branler. Il était 18h quand on est parti visiter la guilde des voleurs. On n'a pas fait ça en 10 minutes. Allez, 19 si tu veux. Bon, vous avez 5 heures à tuer avant les événements. C'est 5 heures en rapport qu'en plus ça, le commentaire, il vient pas tous les soirs. Ça se trouve, on va devoir revenir demain, si le MJ est sadique. Ce sera pas trop tard. Ça sera trop tard, demain. Au pire, c'est un mec de l'église, on aura toute la nuit pour la foutre sans dessus dessous. C'est vrai. On fera la mission, c'est tout. Enfin, pas la première fois. Qui ? Ah oui, c'est vrai. Nous sommes devant la villa des Borginas. Alors clairement, c'est peu accessible. Les seules informations que vous allez pouvoir en tirer viennent probablement de la garde personnelle des Borginas. Vous avez donc un grand manoir
assez impressionnant, de deux grands étages, avec probablement plus de chambres que vous avez eu de compagnons de voyage. Ah, c'est pas dur, j'ai pas encore buté Tipo trois fois. Juste deux. Il y a un grand jardin. Le jardin fait la taille d'un haras. Vous avez la place. Il y a une écurie personnelle. Bref, c'est monstrueux. Le tout est cintré d'une clôture en fer forgé, assez haute. Et en plus de ça, ils ont mis du barbelé en haut de la clôture. Et vous avez un garde tous les 15-20 mètres, plus des gardes qui circulent dans le jardin. Vous les voyez, ils sont peu nombreux, mine de rien, par rapport à la garde de la ville. Par contre, ils ne sont pas équipés pareil. Là où la garde de la ville, ils ont des armures réglementaires, là, vous remarquez qu'ils ont beaucoup moins d'équipement. Par contre, clairement, leur équipement, il est un garde au-dessus. Ils ont des armures en cuir d'excellente qualité que vous devinez tout de suite être fait pour la poursuite. Résistant, léger, rapide, ils voient quelqu'un, ils le courent, ils le plaquent au sol. Ils ont tous des carrures de barbares. Vous avez... Non, c'est pas des barbares. C'est des carrures. Ils ont tous des carrures de barbares. Ah, tu m'as fait peur. Vous en remarquez qu'ils portent des arbalètes de très bonne qualité et au milieu du jardin, sur un banc. Vous avez un homme que vous devinez être un garde parce qu'il porte des épaulières de cuir et un... Enfin, une femme, pardon, excusez-moi, qui porte des épaulières de cuir et un corset de cuir. Par contre, elle a clairement une robe de mage et elle lit un livre avec un sceptre de mage qui est placé sur son épaule alors qu'elle bouquine. Donc clairement, en plus, ils ont un mage de garde. Autrement dit, putain, on aura bien c'est sécurisé. Devant, vous avez un portail qui est littéralement en face du club Jolif Enfant. Vous avez un portail à double battant et devant ce portail, vous avez deux gardes. Ils sont tous, ils ont tous un arc cerclé autour de la taille ainsi qu'une épée longue au fourreau. Ils sont dans les mêmes tenues à peu près et globalement, contrairement aux gardes de la ville qui passent leur temps à dormir, ces deux-là sont extrêmement alertes. Ils discutent entre eux et vous remarquez que tout en discutant, ils ont un regard extrêmement perçant. Qui scrute les rues en permanence. Qu'est-ce que vous faites? J'y vais. Une imitation de Vélociraptor. quand même. C'est bien gardé ici, Stalas. Non, moi je regardais juste la mage et je me disais putain, c'est dommage qu'on n'ait pas Kelena. Ils auraient fait un beaucoup. Sinon oui, c'est bien gardé. bien gardé. Bah, déjà, je pense qu'on va pas commencer par faire les pignoufs. On va aller se présenter. On n'a pas Gaël avec nous, du coup, il peut pas pénétrer, sans mauvais jeu de mots, dans le dans le manoir pour aller voler quelques richesses. Jamais là quand il faut lui. Mmh. Et sinon, non, je pense qu'on va aller effectivement devant, histoire d'éviter de se prendre une myriade de flèches dans le cul. Parce que je ne suis pas friand de ce genre de convivialité, pour aller poser directement des questions aux deux gardes de devant pour voir si jamais ils auraient quelques indices à nous, enfin quelques signes à nous donner. Effectivement, je propose qu'on s'avance et avec la phrase suivante. Bonjour, cher monsieur. Salut, vous avez vu le match? Nous sommes Stalas et Tipognon et nous sommes à la recherche d'informations. Pouvons-nous vous poser quelques questions? En toute amitié, bien sûr. On aurait commencé par le match, j'aurais mieux passé. Hein. Contrairement aux gardes de la ville qui sont assez réfractaires à discuter, vous voyez que ces deux-là sont clairement extrêmement sûrs de leur force. Ils vous toisent d'un regard et vous sentez dans leurs yeux qu'ils se disent « Ok, aucun danger ». Oh, le malin plaisir qu'il a à le dire. Attendez, on revient dans 5 niveaux et on vous pète vos mères. Voilà, voyageurs, qu'est-ce que vous voulez comme information? On vous renseignera du mieux qu'on peut. À quelle heure touche ton cul? Ça, c'est ce que je pense. Voilà, j'attendais le moment où la vérité allait éclater. Est-ce que je dis,
Je dis rien, je laisse parler Typo. Est-ce que vous auriez des informations par propos d'un certain Barnab et Foutard et de choses qui auraient pu se passer il y a une semaine, si je dis pas de bêtises, vers 14h? Je sais pas si vous étiez de garde ou... On est à la recherche d'une personne qui est, d'après nos informations, qui a été la dernière fois vue dans les contrées par ici. Vous savez, je veux pas être vexant, mais il y a beaucoup de gens qui passent dans le coin. En plus, pour le coup, même si la villa est bien belle et bien protégée, en face, c'est le club Joli Fanfan. Vous savez, nos maîtres Liborginas, ils vont faire un tour au moins une fois par semaine. Globalement, même si c'est un club select et qu'ils ne sont pas forcément ultra nombreux, il y a de la circulation quand même. Et puis, pour ne pas vous mentir, que ce soit en journée, le club n'a pas forcément une super répute vis-à-vis du petit Jean. Du coup, il traîne autour parce qu'on n'y fait pas trop attention. Et la nuit, bon, oui. Je ne vais pas vous raconter ce qu'on y voit la nuit, quoi. Alors, ne le prenez pas mal de ce que je vais dire, c'est juste des informations et nous sommes à la recherche de cette personne que nous ne connaissons pas, mais... Pour les gardes, vous direz mal. Voilà. Mais il se pourrait qu'il se baladait avec un imper rose. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer et de vous dire que... Voilà. Il se regarde et font. Ouais. Ça nous parle. Ouais. Ah ça, on l'a vu par contre, on l'a remarqué, hein, parce que ces gars-là, ils traînent pas dans le coin d'habitude. Hein. J'imagine bien. Il y avait deux gars qui étaient avec des impairs roses. Ils se sont rencontrés en plein milieu de journée et ils faisaient genre qu'ils étaient encapuchonnés et qu'on les voyait pas. Le truc, c'est qu'avec leurs impairs, on voyait que ça. Donc du coup, ils ont eu une discussion. Ça a viré à la dispute. Ça fait beaucoup. Il y a eu lutte. On a essayé d'intervenir pour leur expliquer qu'ils étaient en train de faire des conneries. L'un d'entre eux a lâché sa robe et ensuite ils se sont enfuis. Sa robe ou son impair? Son impair. Sa robe, son impair. Ce qu'ils appellent un impair, c'est une robe. Enfin, mais je vois ce que je veux dire. Je voulais être sûr. Le zip a pas été inventé. Du coup, c'est des robes avec avec des lacets, quoi. Ok, et vous savez par où ils sont repartis après? Ils sont repartis vers le sud, en direction du temple, je présume. Ok. Et est-ce que vous vous souvenez du motif de leur dispute? Vous avez pu entendre un truc, autre chose? Ouais. Une histoire de clé, une histoire d'argent. L'un des deux voulait accéder à une clé, l'autre disait qu'il pouvait pas la donner. Et j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais... Celui qui voulait la clé a insisté. Il a commencé à saisir l'autre et ils ont commencé à se bastonner. Et ensuite, ça a dégénéré, ils sont partis. Ok. Est-ce que vous aurez une description des deux personnes? Vous savez, autant avec les impairs, impossible de vous donner une définition. Concernant... Non, honnêtement, j'ai pas grand-chose à vous dire. Il devait avoir dans la trentaine. Ouais. Celui qui a perdu son impair était quasi à poil en dessous. Je suppose que ça devait être un cultiste de la faune. Forcément. Globalement, ces gars-là, avec ils ont leur impair. Ils ont leur impair et puis c'est tout. L'autre, sa capuche est tombée, il avait l'air un peu plus BCBG. Pas forcément richissime, mais je dirais, vous savez... nouveau bourgeois du quartier sud-est. Ok. Bah écoutez, vous nous avez été d'une grande aide. Je vous remercie beaucoup. Par hasard, vous. Est-ce que vous pouvez nous dire celui qui a jeté sa tunique, son vêtement, était-il celui qui cherchait la clé ou qui devait la fournir? Celui qui la cherchait, je crois. Merci. Bon bah, bon courage, j'espère que vous retrouvez votre ami. Merci et bon courage pour votre poste de garde, pour votre journée. Sur ce, ils vous font signe, puis eux, ils continuent leur travail. C'est-à-dire, ils bougent pas. Du coup, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Thibaut. Dis-moi. C'est pas une histoire de cul. Oui.
Bah, on sait pas ce qu'il y a dans ce couvre la clé. Hein. Oula, il y a un coffre au trésor. Une relique de la foune. tu as des penchants très bizarres, mon ami. Okay. Mais nous en discuterons une prochaine fois. Du coup, ça doit être France. Du coup, c'est bien Francis qui a perdu son impair. Ça, c'est bon. Ouais. Francis voulait une clé. Ouais, c'est ça. Francis voulait la clé. Voulait une clé pour Bavarder. C'est un dessin, cette clé. Un dessin de cette clé. Il nous faut le dessin de cette clé. Pourquoi faire pour faire comme dans Pirates des Caraïbes Exactement. T'as la ref. Putain. On a bien mieux. On a le dessin de cette clé. Putain, j'avais oublié cette réplique. ok, donc on est d'accord, c'est Francis qui cherchait une clé. Barnabé pouvait sûrement lui fournir, sauf qu'il voulait sûrement plus d'argent et il n'a pas voulu, ils se sont battus. Et Barnabé est parti. Donc possiblement, mais c'est pas la clé qu'il cherche justement pour les impôts. Je sais plus c'est pourquoi, mais il cherchait une clé, notre commanditaire. Donc c'est cette clé qu'il cherche. Le commanditaire, c'est la femme de monsieur Floutard. Non, c'est pas la femme de monsieur Floutard, c'est le mec de l'entreprise de vin qui veut absolument la clé parce qu'il y a dedans, il y a des documents importants qu'il doit fournir. Je sais plus exactement, mais c'est à peu près ça. Ça, j'ai oublié ça. Ouais, moi aussi, mais ça m'est revenu d'un coup. C'est marrant sur la table, je suis sûr que c'est ce bruit-là qu'ils font dans le temple. C'est sûr. Insérer animation, je demanderai à l'équipe entière d'insérer à ce moment-là, à la fin de Typo qui retrouve les informations, un petit clip du professeur Layton qui fait... Attends. Je me le note pour le montage. Vous savez quoi ? 1h06 de live Layton. C'est noté. C'est surtout l'étonnement que t'as réussi à retenir un truc. Du coup, voilà. Et du coup, forcément, c'est la clé de Barnabé qui l'a, puisque c'est lui qui travaille dans cette entreprise. Donc. Du coup, il y aura un lien avec Francis. Soit il y a un lien avec Francis, soit l'entreprise va prendre cher. Ouais. De toute façon, il y a un lien avec Francis. Ça semble plus être une histoire de pognon. De petit pognon. Ok. J'y ai pensé. Alors, que faites-vous à présent que vous avez ces informations? Ouais, c'est ce que j'avais demandé à Stalas. Est-ce qu'on retourne voir les autres? J'ai besoin de 5 minutes de pause. Je vous laisse débriefer de tout ça. Si vous avez besoin de vous retrouver, d'en discuter, discutez-en. Ok, ouais, si on dit qu'on revient, on revient les voir et puis on discute. Exactement. Vas-y. On vient pas les voir, on utilise la magie. On utilise la magie du mage Tolki. Est-ce que vous nous entendez? À vous. T'as oublié le plus important. Bonjour Tango Sergent, je vous écoute. Qui me parle? C'est toi la foune. Allô? J'envoie quelqu'un dans mon oreille. Le MJ n'est pas là, les souris dansent. On utilise les techniques de sort très avancées du mage Patty, télé de son prénom. sinon, du coup, question, moi j'hésite en fait entre. Parce que là, il doit être encore relativement tôt de notre côté. Donc c'est soit on y retourne et puis on se planque. Sinon, on peut essayer de retourner voir notre commanditaire et lui reposer des questions. Ouais, je serais bien allé le revoir moi aussi. Y'a Arkoche qui veut parler. Sinon, autre idée, vu qu'on a appris qu'a priori il y a un mec qui est sur un gros coup et qu'il a engagé des gars des docks, soit on tente de s'insérer dans le gros coup en tapant dans la porte de derrière, qui a peut-être une chance d'être le gars qu'on cherche, soit on va vers les docks pour essayer d'avoir plus d'informations sur les mecs qui ont été engagés. Attends, j'ai rien suivi moi. Oui, mais ça on le savait. Je vous propose de se faire engager dans les docks dans le gros coup pour justement trouver qui est le commanditaire. Oui, mais nous on le sait pas, c'est encore. On est en train de faire un point. Mais non, mais nous on n'est pas mais encore venu. Mais on utilise le mage télépathique. Mais non. Mais ça c'est une blague. Putain. Mais c'est ce que le GM il a dit. Et de toute façon, en vrai, on peut le faire nous trois. Mais
En vrai, c'est le mieux, ça serait que Tipo et moi-même, on vienne vers vous pour donner les infos, ou nous redonner les infos. Et bah vas-y, on y retourne, du coup, débriefons. Comme il nous a, comme le nous a dit... Faisons un résumé pour tout le monde, du coup, on revient vers vous et on fait un point avec tout le monde. Ok. Du coup, moi, je vous redébrief. En gros, ce qu'on a appris, c'est que Francis et Barnabé se sont bien vus à 14h vers le club Joli Fanfan. Sauf que ça a mal tourné, que Francis en fait voulait apparemment une clé. Une clé, et Barnabé n'a pas voulu la donner, sûrement une question d'argent, si on n'a pas trop l'information. Et du coup, Francis est reparti sur son appaire, presque nu, hein, mais bon, ça vous étonne pas vu là où on est. Et du coup, on suppose très fortement que c'est la clé que recherche notre commanditaire. Et du coup, qu'il y ait sûrement des informations importantes dans ce coffre que Francis voulait avoir. Ou beaucoup de pognon. De notre côté, on a fait ami-ami avec le mec qui a tenté de vous tuer. Et il nous a... Je savais que tu étais un traître. Oui, mais c'est pas la question. Et il nous a emmené voir ses petits copains de la guilde des voleurs et il nous a permis de savoir que la dernière fois que Barnabé était vu, c'était au temple de la Foune, avec un mec du temple assez louche qui était déjà connu de la guilde des voleurs, qui a aussi engagé 3-4 gars des docks pour une affaire musclée et qui a l'air de préparer un coup, qui a à peu près la trentaine. C'est Barnabé qui a préparé le coup ou c'est l'autre ? L'autre. Ok. Oui, bah, ça correspond avec ce que nous faisaient les gardes de la villa. Il y a un mec d'à peu près la trentaine de Nouveau Bourges qui... Non, le Nouveau Bourges, c'était Barnabé, du coup. Je suis pas sûr. Si, j'ai noté. Si. Mais du coup, le gars... Je suis sûr et certain. Il savait pas comment il s'appelait. Du coup, le mec louche de 30 ans qui aurait embanché des mecs dans les docks, est-ce que ça serait pas Francis ? Possible. Bah, pas impossible. Et vu qu'on a son impair, avec son nom dessus, on peut... toquer à la porte du temple pour essayer de lui rendre main propre. Gentiment. Bonjour, on a trouvé votre impair. Ça, c'est pas con. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Ah, parce que vous aviez pas l'impair. Parce que c'est moi le savant dans cette équipe. Bah, c'est surtout que t'avais pas l'impair. Et surtout, là, on a pas mal d'informations qui nous aident. Avant, on n'aurait pas pu en faire grand-chose. Pas faux. Du coup, on va peut-être finir par le retrouver, ce Barnabé. Du coup, on peut, vu qu'on, je pense pas qu'il soit très tard, on a plusieurs possibilités. On peut vous dire du coup qu'on a trouvé. Ah là, du coup, ça t'intéresse qu'il soit pas trop tard. Bah, j'étais dans le temple, j'ai eu le temps de réfléchir. Non, je parlais à Nighties. Et bah, elle était dehors, elle avait le temps de réfléchir. Mais du coup, on peut vous dire qu'on a aussi trouvé trois petits emplacements possibles où je planquais tout à l'heure pour le point de rendez-vous. Alors, quel est le plan ? Trucider Barnabé. Comment foutre en l'air une aventure ? Du coup, pour rappel à tous, le but c'est surtout de retrouver la clé. Ouais. Il se trouve qu'il y a des chances que Barnabé soit avec, mais oui. Le but c'est de retrouver la clé. Après, qu'il soit vivant ou mort, la clé quoi. Oui, la clé. Après, si elle est dans les mains de Francis, la clé. Je suis d'accord. Du coup, vous voulez aller rendre l'impair à Francis ? Non, on va demander Francis pour lui rendre et seulement en main propre. Moi, je pense que Kestis est assez bien intégré dans le culte. Il peut retourner. Je vote pour. Bah, pourquoi pas, allez. Mais est-ce que j'y vais avec ou sans pantalon ? Alors, moi, dans tous les cas, vas-y avec. Et surtout, n'hésite pas à mettre en bloc calbar. Kestis peut rentrer par la porte de derrière avec l'impair rose. Et de Barnabé, en étant à poil en dessous. Oh putain. Non, je serai plus. Guybrush, il peut rentrer par la porte de derrière. Pardon, Guybrush, oui. S'il retombe sur le gars qui a voulu l'initier, il va dire vas-y, pas de problème, mon frère, viens. C'est ça, et tu trouves Francis et tu nous ramènes. Oh, ça peut être un bon plan. Allez. Mais du coup, pendant ce temps-là, il y en a un ou deux qui restent derrière pour justement récupérer Francis avec toi, et un ou deux qui partent au dock trouver les gros bras. Il vaut mieux qu'on soit ensemble parce qu'à mon avis, les gros bras, il y a des chances pour qu'ils logent au temple. C'est pas faux. Ok. Moi, bon, je dis, ça va pas prendre trop longtemps, ça. Le mieux, ça serait que. Ce qui serait peut-être le mieux, c'est que Tipo resterait dans les environs puisqu'il est censé être ranger. Donc, normalement,
avec des compétences de pistage et surtout une bonne vision. On reste tous. Donc s'il avait se met un peu en hauteur, il pourrait surveiller l'église en attendant. On envoie Kestis et on reste autour surveiller et l'aider dès qu'il a besoin. Ouais, les Guybrush, pardon. Moi j'y suis derrière mon plan. On envoie Kestis. On envoie Kestis et on attend qu'il nous remonte Francis. On envoie Kestis au casse-pipe. Guybrush. On envoie Guybrush avec l'impère rouge de Barnabé et on garde avec nous l'impère rouge de Francis. Je crois que Arco, c'est une question. Ah non, non, je me mets. Ok, d'accord. C'est l'affaire, je voulais. On envoie Guybrush avec l'impère de Francis pour lui rendre. Mais non, il va nous ramener Francis pour lui dire on a trouvé ton impère. On a trouvé ton impère dehors, viens vite le récupérer. C'est ça. Donc il passe inaperçu dans le temple avec l'impère de Barnabé, mais on a en otage l'impère de Francis. Je crois que je vais aller avec lui parce que j'ai pas. Vous me faites peur. Et du coup, vous prenez tous les deux un impair. On en a que deux, hein, du coup. Non, mais on a trouvé un impair par terre, on le ramène, voilà, on est gentil. Hein. C'est pas grave. Quel est l'argent? Je croyais qu'il y avait infiltration par la porte de service et tout. Ah ouais? Par la porte oui, de service. Bah oui, parce que a priori, il doit être de ce côté-là. En tout cas, s'il a des malabars, ils doivent être derrière. On va avoir du mal à y accéder. Tu veux pas qu'on le ramène et qu'on interroge direct? Si, je veux qu'on le ramène. Ouais. Mais tu vas pas pouvoir rentrer, on nous a dit que tu pouvais rentrer qu'avec un impair. Eh bah j'irai à la porte déjà. Ok. On va pas se pointer à 5 à la porte comme on l'a fait avant parce que. Non, on va juste laisser Kestis rentrer, c'est pour ça. Mais du coup, on laisse Kestis rentrer, on laisse Guybrush rentrer, Kélajar est à la porte pour l'attendre et nous on se met un peu plus derrière pour surveiller. Et hors de vue. Et c'est vous qui avez l'impair. Et c'est nous qui avons l'impair, de Francis. Et pourquoi est-ce qu'on peut pas lui ramener directement? Parce que dehors, on pourra peut-être faire plus de choses qu'à l'intérieur. Oui, non, mais il faut une justification pour le tirer dehors. Pourquoi? Bah, on sait où est l'impair. On a quelqu'un qui est parti le chercher vers la mairie et qui nous le ramène. Et du coup, on profite pour aller le chercher le temps que la personne fasse aller-retour. On peut pas juste dire qu'on est en train de le laver et qu'il sèche et qu'il faut se ramener. Ok, vas-y, vendu. Sinon, tout simplement, il y a un bruit qui veut pas le laisser, sauf au dénommé Francis. Ah, oh, c'est ça. Il y a un bébé qui l'a pris pour doudou et on va pas lui enlever, donc faut ramener. On fera pas. Quoi ce plan à mormonner? Non, mais oui. Bref, Kestis, démerdons Zizich. De toute façon, tu sais improviser. T'enlèves ton pantalon et tu mets l'impair de Barnabé. Ça doit finir comme ça. Je rappelle qu'après on fera un live action du vidéo. Je vais crever à l'intérieur du truc, je sais pas pourquoi. Mais non, tu du coup je fais ça et je rentre par derrière. Putain, vas-y. C'est ça, c'est exactement. Ouais. Oh merde. Oublie pas, plus c'est sec, plus c'est bon. Oh putain. Quelle horreur. Bon. Donc, quel hasard. Du coup, quel hasard vient avec moi ou pas? Je t'accompagne jusqu'à la porte. Ah d'accord. Il peut pas rentrer, il a pas d'impair. Mon cher. Il pourrait essayer d'en invoquer un, non? Désolé, j'en ai pas trouvé dans l'armoire tout à l'heure. Mon cher Guybrush. Ouais. Comment tu t'y prends? Que fais-tu? Alors attendez, on va être Guybrush. Bah, je rentre par derrière, du coup, tranquillement, mais sûrement. Et c'est Francis qui s'appelle, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Bah, j'explore un peu les lieux et si tu ouvrir la porte ou toquer ou un truc. Hein? Je oui, tu n'es pas rentré direct. Pas comme dans un moulin, j'en sais rien. Il faut non. Que je toque, ouais. Non, en effet. Donc, tu as la porte de service qui est sur le côté. Je vais remettre le plan momentanément. Peut-être que je vais creuser le temple. Hop. Bah, de toute façon, ensuite, une fois qu'il sera à l'intérieur, ce sera le plan de l'intérieur. Ah, oui. Donc, on a un Guybrush qui est ici. Oula, pourquoi est-ce que c'est que cette merde? Ah oui, c'est moi qui me suis planté. Hop.
On a un Guybrush qui est là, du coup, devant la porte de service. Je vais mettre les autres personnages au cas où. Je vais vous mettre les autres personnages et vous allez vous placer en fonction de comment vous voulez. Ça pourrait être utile pour la suite. Et il manque Stalas. Hop, voilà. Je passe mon positionnage sur... Stalas, on se met à discuter ici. Par là. Alors, qu'est-ce que je t'explique sur la première fois? Bah, justement. Il voulait qu'il m'expliquait un truc la dernière fois, mais j'ai pas tout compris. Ah, tu t'es mis avec nous, ouais, donc voilà. Mais je vous parlais d'un truc avec des dagues. Il m'a dit qu'il était comme ci, comme ça. Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle faisait? Putain, ça va devenir le running gag. Alors, Guybrush, c'est toi le héros de la scène. Du coup, la porte est là, je me mets juste devant, du coup, c'est ça? Tout à fait. Hop, je que toque. Tu frappes, tu entends un bruit de trousseau de clés qui frappe entre eux. Passe partout. Oui. Et au bout d'un moment, la porte, tu entends... Et c'est là, t'as le vieux Bernard, et là, il fait... Oh, bonsoir. Il est bientôt. Vous venez participer à la prière de ce soir? Je réponds oui, vous pouvez d'ailleurs mentionner mon nom au grand prêtre du temple de la foule, il me connaît plutôt bien. Je viens pour la prière. Oui. Ah, eh bien très bien, eh bien rentrez, allez-y. Okay. Il tend la tête et il voit quel hasard qui lui n'a pas l'impair, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc du coup, votre ami ne fait pas partie de l'assemblée pour le coup. Non, il m'escortait juste jusqu'à l'entrée de votre magnifique temple. Ensuite, il va rentrer chez lui. Très bien. Eh bien, allez. Donc, sur ce, Guybrush... Oula, je me suis téléporté. Eh oui. Nous allons donc suivre les pérégrinations de Guybrush Tripwood au temple de la Foune. Ça va être fun. Oh, un programme qui n'est pas pour toute la famille. Ça aurait pu être les pérégrinations de Guybrush vers l'ouest, mais non. Oh, j'ai eu le droit Les lumières sont tamisées. Oh, bah, c'est pas la même zone que l'autre fois. Bah, non. Eh bien, non, puisque tu n'étais pas rentré par la même porte. Ah, bah, oui, c'est vrai. Oh, joli, très joli. Qu'est-ce qu'il y a? Le titre du stream, très très bon. Ah merde, attends, moi j'ai même pas vu. C'est un hommage à toi. Il est pas prêt. attendez. Voilà, c'est bien. C'est bon. Alors... C'est véridique, t'as changé le nom en Guybrush au temple de la Foune, on est passé de 7 joueurs à 9. Incroyable. C'est gentil. Incroyable. 40 000 viewers. Les gens sont revenus. Juste pour toi. Allez hop. Donc, on se tâche sur les épaules. Nous avons un Guybrush seul. Enfin, seul, non. Pas tout à fait. Il y a donc le vieux Bernard. Alors, je n'ai absolument pas de... Je vais voir si je peux trouver un vieux Bernard. En attendant, tu as un... Ouais, tu as un... Aussi. Tu as donc un grand couloir, oui, qui amène jusqu'à une double porte. Double porte que tu reconnais. La porte semble être celle de la salle de libertinage, grande pièce que tu avais déjà visitée il n'y a pas longtemps. Ok. Le vieux Bernard, lui, retourne dans son bureau qui se trouve sur la gauche, donc ici. Pourquoi est-ce qu'il me le signale pas, ce couillon ? Voilà. C'est cette pièce-là. Il rentre à l'intérieur et, a priori, n'en sortira pas avant un moment. Que fais-tu ? Eh ben, je vais m'avancer tranquillement
jusqu'à la... Alors, excusez-moi, mais j'ai un magnifique temporairement. J'ai un magnifique et temporairement gay brush. Oh merde. En robe de chambre, là, enfin. Et ouais. Je vous présente le gay brush tripoude temporaire de la game. Voilà. Gay brush. Ah, j'ai plus le contrôle, du coup, là. Ça va revenir. Voilà. Gay brush déguisé en disciple de la foune. Je pense que c'est absolument parfait. J'ai toujours pas le contrôle du perso. Ah, excuse-moi. Ça arrive. Ok. Représente le personnage. Tu es dans tous, dans tous tes états, tu contrôles plus rien. Je me laisse porter par... Normalement, t'es censé y avoir accès. Par le désir. Mais c'est bon. C'est bon. Ouais. Ok, donc ça du te coup, représente. Je me place devant la double porte et je toque de nouveau. Mm-hmm. Histoire de pas non plus... Ok, tu frappes et t'as pas de réponse. T'entends des ronflements, quelques discussions. Globalement, il se passe pas grand-chose. Alors bon. Que tu frappes. Bon, bah, je regarde si la porte est ouverte, du coup. J'essaie de rentrer. Eh bien, oui, tout à fait. La porte est ouverte. Eh bah... ben... Je vais t'ouvrir la porte. Une seconde. J'entre. Mais tout à fait. J'espère que t'es psychologiquement prêt. Oh putain. Est-ce que vous êtes aussi psychologiquement prêt dans le chat? Alors que tu rentres dans la pièce, les feux sont allumés. La soirée commence tout juste pour les plus réveillés d'entre eux. Il y a du monde dans la pièce. Tout le monde porte son imper rose, une odeur de musc et de vapeur de produits quelconques ou d'herbes qui sont prises dans les flammes des brasiers au sein de la pièce enivre. Tu commences à sentir ta tête qui est empreinte des odeurs que laisse transparaître la pièce. Il y a une ambiance très tamisée, très forcément très très posée. Que fais-tu? Tu remarques sur la gauche qu'il y a un couloir. En face de toi, il y a une porte centrale qui mène, comme l'avait dit le grand prêtre, vers la cantine, et à droite vers la salle de bain. Qui ne doit être plus aussi vide qu'elle l'était à l'heure précédente. D'accord. je commence peut-être d'abord tranquillement, histoire de... Non. Désolé, à me mêler à la foule gentiment, je sais pas. J'aime pas te mêler directement, tu dis même pas bonjour. Bah si, je vais genre me placer là, tu vois. Histoire de... C'est un peu lequel, le tien. c'est celui qui écrit Guy Brush, pour le coup. Ouais. Je suis à côté du monsieur en rose. Non, on voit pas, en fait. On voit pas les noms. Mais oui, ah, vous voyez pas. Je vois trop. Vous voyez pas le nom de Guy Brush? Non. Il est là, Guy Brush. Mais oui. Il est... Ah bah, c'est étrange, parce que l'écusson, il est affiché dans... Là. Non, on voit jamais le nom des autres personnes. Ah ouais? Ouais. Tu vois que le alors fait... ça, c'est... Bon, on regardera ça, c'est en rigolo. Live. Ça veut dire qu'il y a que moi qui vois ça. C'est... Ouais. Ouais, ok, d'accord, c'est rigolo. Ouais, parce que là, tu vois, même en live, on l'a pas. Bah attends, c'est vrai, je suis con, j'ai le live à côté. Ah oui, on le voit pas. Ah, c'est... Alors ça, ça, je l'ai pas vu venir. Ah oui, donc depuis la partie précédente où moi j'avais mis tous les noms, je m'étais emmerdé à noter tous les noms, garde un tel, garde machin, garde truc, vous voyez rien. Ah, t'avais fait ça? J'ai envie de me pendre. Tu nous l'aurais dit la semaine dernière, on te l'aurait dit. Putain, ouais. Incroyable, j'ai envie de me pendre. Ok, d'accord. Comme quoi, quand tu travailles, toujours le dire. Sinon, ça se voit pas, des fois. Voilà, bah, sachez que je me suis emmerdé à faire en sorte qu'on voit les noms. Est-ce que ça marche si je fais ça? Bon, j'en sais rien. Non. Vous me direz si vous voyez quelque chose. Ah oui, c'est bon. Tu n'as pas fait tout ça pour rien. C'est bon, parfait.
Ok, super, problème réglé. Donc, nous avons Guybrush, qui s'assoit à côté d'une jeune femme en appel rose. Ah, c'est une jeune femme du coup, ça ? Oui, c'est une jeune femme. Oui, il y a un peu d'hommes. Discutant en face d'une lady et d'un homme qui sont en train de discuter eh bien, de mondanité, de leurs derniers achats, de leur vie ensemble, de ce qui se passe, de comment va se passer la prière de cette fois-ci, de quel type de défiant ils ont utilisé pour la partie. De... Voilà, par exemple. Guybrush, comment tu t'introduis? Ben j'arrive près de la table, j'en dis bonsoir. C'est ma première soirée au temple de la Foune. Je connais bien le prêtre. Vous, est-ce que vous venez souvent ici? La jeune femme à côté de toi fait ah oui, je c'est ma troisième fois, je crois. J'ai été tout de suite. Moi, c'est ma première fois. Oh, eh bien, bienvenue. Nous sommes très, très joyeux de vous avoir parmi nous. Un novice, franchement, quel plaisir. Le grand prêtre est si doux, si attentionné, si emprunt à nous laisser nous faire pénétrer par la mentalité de la Foune. Vraiment, c'est un véritable plaisir. Nous nous sentons emplis de sa sagesse. Est-ce que ça se voit que je m'en donne d'accord? Voilà. Oui. Oui. C'est presque même flippant. Eh bien, je commence moi-même à m'intégrer à cette mentalité, ma foi, ouverte, très ouverte, comme ça. Et je viens aussi parce que j'ai entendu dire que mon cher ami Francis venait aussi très souvent dans votre établissement. Je suis d'ailleurs venu dans l'espoir de le croiser ce soir. Oh, Francis! Oh oui, oui, c'est un des... Alors, ce n'est pas vraiment un prêtre, c'est un acolyte. Il travaille au temple, il y est en quasi-permanence, il aide le grand prêtre dans son travail, et il assiste les jeunes novices comme vous à être le plus à l'aise lors de leur première soirée. Il est présent ce soir. Il est très occupé en ce moment, il s'occupe régulièrement du coup des préparations pour les vins et spiritueux qui sont dans le sous-sol. Très bien. Quand est-ce qu'il pourrait donc me prendre en charge pour Putain. Eh bien, écoutez, nous ne savons malheureusement pas. Cela fait bien longtemps que Francis n'a pas participé à nos prières et son dévouement. Envers la Foune nous manque grandement. Mais je suppose que si vous venez quelquefois, vous aurez le plaisir de le croiser. Très bien, très bien. Donc, vous me dites donc qu'il est aux cuisines, c'est ça ? Non, du tout. La cuisine, c'est la porte en haut. Vous pouvez y accéder librement. Le souterrain, par contre, c'est un accès restreint. Il faut avoir une clé pour y aller. Seuls les acolytes, le grand prêtre et bien entendu notre cher Bernard ont les clés. Très bien, eh bien, merci pour ces précieuses informations. Je vais tenter de passer une très bonne soirée avec vous, même si elle ne fait que commencer. Mais en attendant, je vais rapidement faire le tour des lieux et me dégourdir les jambes. Elle te met doucement la main sur la cuisse. Ce sera un plaisir de vous assister lors de votre première soirée. Eh bien, je mets ma main sur sa main, qui est sur ma cuisse, et je lui dis ce sera un plaisir partagé, si je puis dire. Voilà. Petit bonus XP pour Kestis en fin de partie pour avoir joué le jeu. Non. Moi, je suis impressionné. Moi, je suis impressionné par comment il arrive à bien gérer ce genre de situation. Oui, j'aurais pu respecter son adaptabilité. Merci. Pardon. Super, c'est du sort, vous nous a bien aidé. Ouais.
Ah, genre, mais... Alors, franchement, il aurait pu prendre la blague autrement. Ah bah, ça tombe bien. J'espère que Francis y ramènera des saucisses avec tout ça. Oh, le beau. Pour un pirage, je le trouve assez cultivé. C'est si plein de sauce, attention. Oh, merde. Voilà. Là, il est dans le personnage. Ouais. Ok. C'est que fais-tu pirate, à présent, Gaïvoche? Ben, je fais mine de... Ben, je me balade un peu dans la pièce, quand même, comme ça, histoire de... Et du coup, pendant que personne regarde, enfin, j'espère que personne regarde, je vais retourner vers l'entrée. Du coup, au bureau de Bernard, qui était par là, je crois, non? Il était sur la gauche. Il est sur la gauche, oui, tout à fait. C'est la première porte à gauche, au niveau de l'entrée. Ok. Oh, pas encore. On du coup, comme gauche. Elle m'a dit qu'il avait les clés pour descendre au sous-sol, c'est ça, où se trouverait tout à fait. Ce cher Francis. Je sais pas pourquoi, tout à l'heure, je croyais que c'était dans la cuisine, j'ai un câble. Parce que t'as faim. Ouais, ça doit être ça. Du coup, bah, on va dire, allez, je vais toquer gentiment déjà au bureau de Bernard. Ok. Du coup, tu frappes. Tu entends un... lent mouvement de clé qui approche vers la porte. Mmh. Et d'un coup, la porte s'ouvre. Et là, le vieux Bernard est devant la porte et il te regarde et il fait « Oh, c'est vous. Que me voulez-vous, mon bon ami ?» Le vieux Bernard, il a l'air comment? Il a l'air un peu genre fragile, physiquement? Tu sais, ouais, il est vieux, il est encrouté, alors il est là avec sa vieille cape rose. Alors lui, pour le coup, tu penses pas qu'il fait vraiment partie du culte. Clairement, c'est un emploi, parce qu'il est habillé, il porte une cape, comme tout le monde. Sauf qu'en fait, sa cape, elle est située en boutonnière là. Elle entoure et elle laisse voir vraiment qu'il a une tunique en dessous, il est habillé. Il a une robe de bure assez simple. T'as presque l'impression qu'en fait, en dessous, c'est presque un moine d'une autre religion. Mmh. Et à sa ceinture, tu remarques vraiment qu'il a un gros anneau avec un gros trousseau de clés comprenant bien 2, 4, 6, 10, 12, 14, 15, bon, une petite vingtaine de clés. Et du coup, il est un peu arc-bouté, un peu bossu, lent, clairement, à la détente, quoi que ce soit. Pas forcément faible, juste âgé et un peu grabataire. Quoi. Il tient debout. Ok. Bah, du coup, je le vois et je lui dis la très jolie jeune femme avec qui je discutais dans la salle principale me disait qu'elle avait perdu l'une de ses boucles d'oreilles à l'intérieur du sous-sol. Il nous faudrait la clé, si possible, pour ouvrir le sous-sol, si ça ne vous dérange pas. Fais-moi un jet de charisme. Oh putain. Prends ton charisme. Comment je fais pour faire un jet de charisme? Est-ce qu'il gagne un bonus avec sa tunique rose? 15. C'est un échec. Ah merde. Il te regarde, il fait « Oh, mince! Quelle mauvaise nouvelle! Eh bien, écoutez, voilà une nouvelle très étrange qu'une jeune femme qui a perdu quelque chose dans les sous-sols. Ce n'est pas normalement une zone acceptée. Mais, bon, à la rigueur, je ne peux malheureusement pas vous donner la clé impunément, mais je peux toujours vous y amener, si vous le désirez. Je vous accompagnerai. Match télépathique. C'est pas une mauvaise idée. Mais si je t'accompagne, tu vas tout seul. T'as loupé le match pâti de son prénom de télé. Eh ben oui, allez, j'accepte qu'il m'accompagne, allez, oui. Ok, très bien. Bon, du coup, je réfléchis un peu, j'étais à deux doigts de le meurtrier. Il dit, eh bien, suivez-moi, j'ai un accès direct au sous-sol depuis l'arrière de mon bureau. Ah, bon, bah. Il se retourne, et là, il fait... Cling. Pardon. Cling. Okay. Et tu le suis. Oh, le truc de film d'horreur. C'est un peu long. Clairement, il est un peu rapide.
on va dire. Bon, bah, on a perdu la mission, hein. Il est trop tard. Il est 8h du matin, le jour s'est levé. Il ouvre une... il ouvre avec... Il n'a pas besoin de tout soulever. Il ouvre une porte qui mène vers un... vers un couloir extérieur qui amène directement à un couloir. Mm-hmm. Un long couloir qui longe le bâtiment et qui m'a fait dézoomer l'entièreté de mon écran. Voilà, c'est bon, on va régler. Et ce long couloir mène jusqu'à un escalier qui descend. Je suis là pour aller dans le souterrain, c'est logique. Et donc, tu descends avec lui, il monte tout au nord de la position jusqu'à l'escalier, avec toi. Ouais. Et ensuite, il ouvre la porte du tunnel. Ça descend de quelques mètres en escalier. Et suite à cela, tac, tac, notre cher Guybrush arrive dans le souterrain du temple. Avec le vieux Bernard, hein, faut pas déconner. Il est partout ce vieux Bernard. Ok, je suis là. Hop là. Oui, tout à fait. Diantre ! Quiz, cantonge. J'ai un problème technique, bougez pas. Je viens de remarquer qu'il n'y a pas d'ouvrière de guerre. Non, ça ouais, j'allais le dire. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il y a eu un problème avec l'ouvrière de guerre. C'est pas normal que je vois tout le souterrain d'un coup avec yes. Ouais, bon, ça. C'est pas grave, vous avez rien vu. Allez hop. De toute façon, nous, on n'est pas dedans. C'est ça. Pas faux. Casey s'oublie. Bon, ok. Broche, j'ai rien trop vu. Tard. On t'oublie pas. Je suis omniscient. Non, non, allez, je fais RP. T'oublie pas, première à gauche, troisième à droite, première et tout droit. Non, non, pas. J'ai juste vu la pièce finale, j'ai pas vu le chemin. Vous arrivez dans un couloir qui est faiblement éclairé. Ne t'inquiète pas, Broche, nous avons le film en scénario. Je répète, nous avons le film en scénario. Vous arrivez dans un couloir qui est faiblement éclairé. Et du coup, après avoir descendu l'escalier, il se retourne, il te regarde et il fait où votre belle amie a perdu son bijou ? Je ne sais pas trop, elle ne m'a pas précisé exactement. Il vaut mieux que je vous suive et que je regarde à même le sol. Et dès que je le vois, le bijou, je vous préviendrai. Tu peux marcher à quatre pattes. Hein. Ouais. Il n'ira pas trop très vite. Très bien. Eh bien, dans ce cas... Allons-y, vous n'avez qu'à me suivre. Oh mon dieu. Cling. Cling. Finalement, c'était pas Cling. Le problème. Cling. Bon, vous arrivez au bout du couloir. Oh putain, il a plein de TP. Et au bout du couloir... Tu vois que le couloir continue énormément, qu'il y a une porte sur la gauche, et ouais. Qu'au bout du très long couloir, il y a une autre porte au fond. Tu rien du tout, c'est tout. Tu relues le cul pour chapeau pointu. Cling. On pouvait pas juste demander au vieux Bernard s'il pouvait nous mener à Francis. T'es pas là, toi. Ouais, t'es pas non, là. Je sais que je suis pas là. Et je regrette de pas être là. Mais oui. T'aurais dû le buter, piquer les clés, venir nous chercher, et on serait descendu tous ensemble. Alors au début, je voulais pas le buter, j'aurais voulu l'assommer. Mauvais, quoi. Attends, tu veux l'assommer ? Non, non, pas tout de suite. Pas tout de suite, mais bientôt, t'inquiète pas. Encore un cling ou deux. J'en aurais marre. Ok, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'il y a ce grand couloir, et puis au final, il va bientôt remarquer qu'au final, il n'y a rien par terre, et puis basta. Oui, c'est vrai que... Bon, allez, pour gagner du temps, J'enlève mon appareil. Et là, le vieux fait une crise cardiaque. Ça serait magnifique. Oh, la soirée commence. Attends, est-ce que j'ai mes armes sur moi ? Il a le droit de le tenter ou pas ? Bien sûr. Ah. Bah je prends mon... Attends, j'imagine. Vieux Bernard, je viens de retrouver les bijoux. Ils sont là ! On appelle ça un prince Albert. Et c'est mon précieux. Et c'est mon prépuce.
Je sors mon couteau de qualité. Enfin, ouais, discrètement, hein. Je prends la poignée, tu sais. Et du coup, bah, je tente de l'assommer gentiment pour pas le tuer quand même, juste histoire qu'il soit inconscient. Bah, étant un vieux papy grabataire, c'était pas dur de l'assommer. Il tombe très vite dans les vapes. Il tombe par terre dans un bruit un peu sourd. Bon, clairement, tu gagneras pas des points de karma pour cette action. Ouais, ouais, je sais bien, mais bon. Par contre, il gagne un peu plus vite et de gagner en discrétion parce qu'avec son gling gling là. Tout à fait. Bon, du coup, je ramasse son trousseau de clés. Mm-hmm. Et je me dirige vers la première porte à gauche, du coup, pour voir ce que je peux y trouver. Sur la première du couloir ou sur celle qui est sur ta gauche, enfin, sur celle qui est tout au nord là. Ouais, celle en... Bah, attends, je vais me placer là. La plus proche, ouais, vas-y. Ok, très bien. Tu places là, alors tu fais une ou deux clés, trois, quatre clés, et puis après avoir galéré, tu ouvres et là tu vois qu'il y a un homme dans la pièce. Oui. Et cet homme est globalement bien habillé, mais il est couvert de sang. Il a des entailles un peu partout, il a des bleus. Il est au sol, il est rachitique. Clairement, il n'a pas mangé, pas bu depuis plusieurs jours. Tu remarques une auge par terre dans laquelle il y a une espèce de reste de portion de patates bouillies avec de l'eau. En gros, ça fait flotte plus nourriture en même temps, mais il n'y en a pas beaucoup. L'auge est sale, ça sent la... Bah, il n'y a pas de toilette, quoi. Le pauvre monsieur, il est... voilà. Il n'est pas enchaîné, mais du coup, il était enfermé et clairement, il est trop faible pour se défendre. Il semble à demi inconscient. Lorsque tu ouvres la porte, tu entends une voix qui fait « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et là, tu vois au bout du couloir quelqu'un sortir, un homme bien vêtu, qui sort et qui fait « C'est qui lui ? Les gars, attrapez-le !» Et là, du coup, tu vois trois hommes bien bâtis, plutôt des dockers armés. Ils sortent des couteaux, des couteaux, des épées et commencent à courir vers toi. Qu'est-ce que tu fais ? Putain. Qu'est-ce que je fais ? Alors là, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. C'est... Bon. Hein ? Choisis la meilleure. Merci Nightis pour cette information qui va, je suis sûr, aider Guybrush dans son choix. Bon allez, je m'enfuis. Ok, très bien. Et là-haut dans le ciel. Tu t'enfuis jusqu'où ? Bah jusqu'à, je ressors du sous-sol et je retourne à l'entrée pour ressortir de là. Ok, pas de problème. Par contre, du coup, tu vas devoir me faire un jet d'adresse pour voir si on ne te rattrape pas. Oh, j'ai hâte de voir ça. Oh. Diantre. Pas mal, hein. Aucun problème. Tu cours, tu t'enfuis, alors tu sais que les gars, ils sont derrière toi, hein. Ouais. Tu cours. Et déjà, au bout d'un moment, ils ont une bonne vision, hein. Tu sors. Tu traverses le couloir en courant et tu sors du bâtiment. Alors, faut imaginer. Ah, c'est donc comme ça qu'on fait la première fois. Tu sors qu'il fait nuit. Tu vois, le kick-up, ce n'est pas si difficile à faire. Ouais, je vois. Donc, vous avez un Guybrush en appel rose qui sort en courant. Que fais-tu, Guybrush ? Que dis-tu ? Que fais-tu ? Quel hasard, au secours, au secours! Déjà, je pense qu'il crache les poumons. Trois hommes armés veulent me tuer, enfin me courir après avec un air très très menaçant. Non. Mais t'es allé chercher la femme de qui? Bonus de répartie. Personne, je te jure, j'étais à la recherche de Francis et on va dire que de fil en aiguille, j'ai dû assommer un vieux et puis bah. Là, je me retrouve poursuivi par trois gars un peu vénères. Quoi. Nous, on voit Kestis qui a défoncé la porte, sortir. Et enfin, moi, en tout cas, je fais. Putain, il y a Kestis là-bas, il a l'air mal en point. Et j'y retourne. Si on a le temps, si tu me laisses aller à côté de Kelazar. Sinon, tu veux nous dire où on se redéplace. Le premier homme sort de la du couloir. Il voit Kestis. Et. D'un coup, d'un seul, sans prévenir, forcément, sort son épée et il frappe. Oh,
Ah bah. Et si t'aurais dû t'en faire plus long. on m'a pas proposé de m'en faire plus loin. Il a réussi à nous prévenir, tu vois. Il touche. Est-ce que tu tentes une parade ou pas? Si tu tentes une parade, elle est malusée de 2 parce que tu es de dos. Ah. Si tu tentes une parade, c'est de l'instant. Vas-y, bah je tente une parade. Hein. Je peux faire que ça. Pourquoi t'as 0 en parade? Pourquoi j'ai 0 en parade? Je pense que c'est un problème de calcul, ça, clairement. Il y a un bug, tu peux pas avoir 0 de parade et... Ah merde. De toute façon, avec un résultat de 19... Comment je sais pour savoir ma parade? C'est dans ta caractéristique, normalement, ça devait être... C'est 10, plus ou moins, les malus de tes armes, armures et tout le bordel, normalement. T'as dû oublier d'être le 10 au départ, je pense. Le 10 de base. Attends, en base, j'ai 10, c'est bizarre, attends. Mais on a oublié, il est nul. Il est nu, pardon. Il est nul. Il est nul. Ah si, c'est nul. Bon. Attends, bah je recommence du coup. Ok, la parade passe. Il arrive à se protéger. Et grâce à son impair rose qui le rend absolument pas discret, il est sauf. Du coup, le combat s'engage contre les hommes de main de l'étrange homme du sous-sol. C'est Guybrush qui commence, du coup, après son action. Que fais-tu? Après ma parade réussie avec mon sabre à une main correcte... C'est le premier combat de groupe. Bien vu, le premier combat de groupe. Ouais, le premier combat de groupe, ouais, de la campagne, en effet. Il est vrai que c'est vrai qu'on n'a plus la merde. Bah du coup je tente une riposte immédiate en plein dans la tête. N'oublie pas de te retourner du coup si tu veux te retourner. Ah oui, je vais me retourner, pardon. Comment je me retourne? Là, je l'imagine bien, je lui fais un bon coup de sabre dans la tête et derrière, merde. Non, comme ça. Ouais, hop, j'attaque avec mon sabre à une main correcte. Ça touche. Du coup, l'homme de main tente une parade, puisqu'il n'a pas encore dépensé son action. Et il fait un 2, donc clairement, il part ton arme. Putain. Mais il aura dépensé son... Sa parade pour ce tour. C'est à un des hommes de main de Francis, du coup, qui s'approche de Guybrush, qui se met sur le côté et qui tente de l'attaquer. Et dû inventer les macros. Et il touche. Du coup, vu que tu as de nouveau eu ton tour, tu n'as pas encore dépensé ta parade pour ce tour-ci. Qu'est-ce que tu fais? Bon, bah, on va retenter une parade. Hein. Non, t'as Allez. Pas droit. Hein? Si, si. Ah, si. Parce que du coup, il avait tenté sa parade puisqu'il n'avait pas encore agi et maintenant il a. Ah, c'est classe. Putain, je voudrais mon temps. Malheureusement, c'est un échec. Du coup. L'homme frappe avec son épée et il inflige 7 points de dégâts. Putain, n'oublie pas d'y soustraire la valeur de ton armure. La compagnie. C'est à Stalas. Ok, bah moi je me précipite derrière le bonhomme qui vient de frapper Kézis. J'ai compté, il y a les 6 mètres, donc du coup j'ai pas, je sprinte pas. Tout à fait. Et pendant que je me déplaçais, bah, je sors ma hache. Et bah, je vais essayer de frapper de dos le monsieur qui me fait dos. Et qui a attaqué mon ami Kestis. Et bah vas-y. Du coup, t'as un bonus de plus 2 pour le toucher, vu qu'il est de dos. Ok, ça marche. On va juste penser à l'ajouter. C'est parti. Allez, vous faire faux. Tu veux pas lui mettre un bonus de plus 10? Ah non, ça me parle pas plus non 12. Plus. Alors, mesdames et messieurs, je profite de cette action absolument incroyable pour faire un petit point sur les règles de combat. Donc, pour ceux qui suivent, les règles de combat sont assez simples, surtout que sur Roll20, on a accès aux macros. Donc, il faut faire un jet d'attaque et toucher en dessous de sa valeur d'attaque. Donc, on lance un D20 et on doit faire en dessous de la valeur d'attaque. Si c'est réussi, l'adversaire a le droit à une parade. Et il a le droit à une parade par tour, et ensuite, s'il rate sa parade, eh bien, il subit les dégâts. C'est relativement simple, surtout quand c'est géré par informatique. L'avantage de Stalas, c'est qu'il fait des dégâts monstrueux et tue une personne à chaque fois qu'il touche. Le truc, c'est qu'il touche une fois tous les 6 tours. Donc... Non, tous les ans.
C'est pas. J'ai rangé mon arme, ça va. C'est au dernier soldat qui attaque, du coup, Guybrush, mais qui, lui, a un bonus de plus 2 vu qu'il a pris en tenaille. Il ne touche quand même pas. Il tente de donner un coup d'épée et il rate Guybrush. Le rose l'éblouit. C'est ça. C'est à Oulai. Faut pas que je prenne trop cher non plus. Ouais. Du coup, je vais profiter de tout ça pour me rapprocher et mettre derrière le bonhomme vert. Et du coup, je vais l'attaquer avec mon épée. En plus, il est pris en tenaille par Guybrush, Stalash à moi. Donc, je l'attaque. J'ai bien fait de pas venir voter, faire mes lèvres chez vous le soir, en fait, finalement. Attends, j'ai pas encore joué. Ah, ouais. Alors, quel hasard, c'est à toi. Attention, attention. Je fais le sorcier. Je vais lancer une boule de feu. Oh wow non! Eh oui! Mais Dogo! On a pas encore les apparitions de Dogo et Doggy, la pression sociale de Kelazar est à son comble. Non, mais il nous fait une pauvre petite boule de feu alors qu'il aurait pu invoquer un Pokéball. Eh, touche quelque chose déjà et on reparle. Oh, oh, oh la pression! Du coup, maintenant, il faut que je touche. Hein. Ouais, d'accord. C'est ça, ouais, on est d'accord. Ça. Du coup, je lance boule de feu mineur sur le mec qui. Se ferait bolo s'il se faisait toucher. C'est beau. Et 6 Waouh. Et bah, ça touche. En même temps, il peut se la péter, je veux dire. Il a plus d'une chance sur deux de toucher. Donc, avec les sortilèges, ils n'ont malheureusement pas accès à quelconque. Parade, puisque du coup, faut pas déconner quand même. Du coup, t'as attaqué lequel, excuse-moi ? Le vert. Celui qui est à gauche ? Celui à gauche, ouais. Ok. Attaque parade. Puisque c'est des dégâts physiques, du coup. Okay. 36, 2. Très bien, il prend donc 3 points de dégâts. Ouais, c'est des sacs. Hein. Il a de l'armure magique. Problème, c'est... Non, il a une bonne armure. Non, mais c'est de la magie physique. Ta magie physique et magie pas physique. La magie physique, l'armure, elle compte. Ah oui, mais ça, c'est du type magique. Ah, c'est du type magique, excuse-moi. Dégâts de feu de type magique. Ah, j'ai rien dit, autant pour moi. Et bah, dans ce cas-là, en effet, il a perdu 6 points. Je n'ai rien dit. Et bah, il a perdu 6 points secs. Hein. Allez, hop. Ah oui, du coup, vous voyez même pas les barres de vie et tout. Non. Et non. Non, on voit que c'est plus RP comme ça, moi je meurs. Ok, d'accord. Bah, c'est je vais au moins mettre les noms de tout le monde, quoi, que vous voyez les noms de tout le monde. Après, ouais, je peux faire en sorte à la rigueur que vous voyez la barre de vie de vos alliés, si ça vous intéresse. Ouais, je pense que c'est mieux pour les viewers, surtout. Ouais, je vais parce qu'en fait, ils voient que ma barre de vie, donc c'est pas très intéressant. Je vais afficher les barres de vie et la barre de mana de Kalazar. Concernant les autres, je pensais que tout le monde les voyait. Mais non, en effet. Bah ça, par contre, j'avoue que j'aime bien, moi, que les joueurs ne voient pas les barres de vie des ennemis. C'est de nouveau... Du coup, le premier tour complet est fini. Hein ? Et moi, quand est-ce que je joue ? C'est vrai, ça ? Quand est-ce que je joue ? Ah, Tipognon ! Ah, j'ai passé ton tour ! Bah, Tipognon, il jouera pas. Comment ça ? Non, je déconne. On arrête le live maintenant. Vas-y, Tipo, joue. Alors... Sonata, s'il te plaît, déjà qu'on pue la merde, alors si en plus on joue pas. Moi je me place derrière le petit cours d'eau là, ici. Je prends une flèche et je la décoche sur. Alors je sais pas comment on clique sur le. Sur le monsieur là qui est ici, je sais même plus comment. Je sais pas comment on fait les traits. Ah, tu restes appuyé, voilà, parfait, merci. Ah, je reste appuyé, parfait, nickel. Je clique sur ce. Je décoche une flèche. je clique sur celui-là et boum, il explose. Ok, du coup je. Bah voilà. Hop. Ouh. Wow. C'était juste. C'est beau. Ok. Du coup, dégâts. Oui. Oh la vache! Ah pas oui, ça fait, ça fait. Ah, ça déconne c'est, zéro! C'est une imitation d'un arc composite d'elfe sylvain, mais quand même, ça déconne pas trop. Okay. Pour une imitation, c'est pas mal, j'avoue.
l'homme de main se prend la flèche dans l'épaule, mais il se la prend vraiment dans l'articulation, dans le sens du corps. Il pousse un cri de douleur monstrueux et tu sens que tu l'as bien entamé. Hein. Là, ça t'a fait un coup qui déconne pas. J'avais dit, c'était là, je n'ai pas encore joué. Enfin, du coup, si c'est on saute pas mon tour. C'est à celui qui est en face de Kestis, c'est le plus costaud de tous. Il prend son arme et il retente de frapper Kestis en le regardant droit dans les yeux. Puisque Kestis a déjà dépensé sa parade, il ne pourra malheureusement pas en refaire. Il touche. Kestis va donc subir un total de 6 points de dommage. Mais c'est pas un nouveau tour. Moins ton armure. Ce serait mon armure aussi. Si, mais pour récupérer ton action de parade, il faut que ce soit de nouveau ton tour à toi. Ah, c'est un tour complet. Hein, ton round. Ouais, en fait, c'est... Oui, c'est... Ouais, c'est bon. 6 points de dommage en soustrayant mon armure aussi ou pas? Non, il faut que tu soustrais ton armure, je connais pas ta valeur d'armure par cœur. Donc, ok, donc je vais en faire 4. Il a 8 en armure. Il regagne donc 2 points de dégâts. Bien tenté. Je suis dans la merde, moi. Bah, fuis. Oui, recule-toi. Tu iras ton sucre. Bah oui, c'est ce que je vais faire. C'est à Guybrush. Du coup, après avoir réussi une parade, réchoué une parade, réussi à le toucher vite fait et m'être fait suriner deux fois, je me dis bon, j'en ai peut-être un peu assez, je suis un peu crevé, donc je vais m'éloigner un petit peu. Est-ce qu'on peut attaquer et après bouger? Oui, il n'y a pas de règle. Okay, d'accord. Moi, je considère que oui. Par contre, si vous attaquez et bougez, vous pouvez pas parer. Ouais. D'accord. Et si on bouge et attaque. En fait, vous avez deux actions, une action de mouvement, une action de combat. Une action de combat, ça peut remplacer une action de mouvement, ça peut être remplacé par une action de mouvement. Autrement dit, si vous voulez, vous pouvez vous déplacer deux fois sans attaquer. Ouais. En revanche, une action de mouvement vous permet de parer. Okay, d'accord. Si vous ne parez pas, vous pouvez vous déplacer. Si on... C'est plutôt si on ne se déplace pas, on pourra parer. Si vous vous déplacez, vous pouvez. Oui, bien sûr. Okay. Mais du coup, le déplacement, vous ne pouvez pas le faire quand ce n'est pas votre tour. Alors que la parade, c'est une action que vous pouvez faire quand ce n'est pas votre tour. Du coup, c'est lequel qui a le moins de points de vie là, dans les trois? Celui qui est le plus fatigué, qui a l'air du moins le plus entamé, c'est celui qui est à ta gauche, celui qui a pris la flèche de Tipo. Donc, le vert, du coup. Ah non, c'est celui-là. Le jaune, ok. Parce qu'il est force jaune, bientôt il sera force rouge. Oh, il sera peut-être force marron derrière. Hein. Du coup, je retourne un coup de sabre. Jaune devant, marron derrière. Attends, déjà je vais me. Attends, pas longtemps. Il va avoir le regard furieux de Kestis, il va faire. Sur le jaune. Et lâcher. Ouais. Ouais. Et il le touche. Je peux calculer les dégâts, je te prie. Putain, mais pourquoi je fais pas ça, moi? Ouais. 4 dégâts tranchants. Tu frappes un coup avec ta lame et clairement elle émèche son armure. Elle lui fait une petite entaille au niveau du torse. Rien de gravissime. Je visais la tête. Bah vise mieux. Ok. Vise mieux. Tournant le dos à ton adversaire, il t'attaque en ayant un bonus. Je voulais bouger après, attends. Il touche. Ah, tu voulais bouger? Ah, pardon. Ouais, je voulais bouger. Du coup, après avoir attaqué, je bouge. Je peux bouger d'une case, deux, je sais pas. Ouais, là, c'est bien. Ouais, à peu près. Ouais, vas-y, je vais bouger là, allez. Voilà. Histoire de récupérer. Bah, du coup, il bouge aussi et il va t'attaquer parce qu'il a déjà fait deux. Voilà. Allez, vas-y, go. Du coup, il m'a eu. Tu pars ou pas? Ah bah non, c'est vrai, t'as bougé, donc tu peux pas parer. Oui, t'as eu. Oh là là. 5 points de dommage. Avec 23. Sa dague. J'en connais un qui va mourir. Pas encore, je prends encore la moitié de mes points de vie. C'est à Stalas. Ah, sauvez-moi. Ok, moi je me déplace juste ici. Demande au magicien. Et je vais attaquer celui-là. En espérant de pouvoir le frapper déjà. Ça serait bien, ouais. Réussir à détourner son attention de Kestis avant qu'il meure. Allez, je crois en toi, Dédé. Oh non. Oh putain. Un
On est passé à ça de l'échec critique. 18, 19, prochain tour. Au prochain tour, soit je fais un échec critique et je réussis à leur tuer Tipo. Soit on est dans la merde. La tristesse de l'infini. Du coup, un des hommes de main se retourne, voit Stalas qui rate son coup et se dit qu'il peut en profiter pour frapper un grand coup. Ouais! Échec critique, GMJ! Je suis le plus fort! Le plus chanceux. Bon, ouais, nous allons prendre. Non? Il se foire et il bute son collègue. Alors. Maladresse avec une attaque ou une parade. Résolution d'un des 20. À l'aide. Tu veux que je tire pour toi? Non, non, c'est bon, merci. Je vais me foutre dans la merde suffisamment bien tout seul. 13, ouf. 13. 13, je pense qu'il va être un truc chelou. Il doit... faut que je lance un D6 pour le point de rupture de son arme. Ah. Oh non. 3. Est-ce que j'ai noté le point de rupture de son arme? Je pense pas. En toute honnêteté. Oui. C'est quoi son arme, tu sais? C'est une épée longue. Épée longue à une main? 3. Ouais, c'est ça. J'ai la même, donc 3, du coup. Oh merde, il a pété son arme. Ouais. Du coup, il frappe il tente de frapper Stalas, et Stalas part avec sa hache. Et la hache étant a priori de bien meilleure facture que son épée, la lame de l'épée se brise en deux. C'est normal, c'est un Durandil-like. C'est ça. Donc, nous sommes sur un personnage qui va se retrouver difficile à affronter. Eh bien, c'est pas de bol. C'est à Woulaï. Yes. Eh bien, je rattaque le petit bonhomme vert devant moi. Et j'y crois cette fois. J'y crois à fond, je vais le tuer. Tu le disais ? C'est un échec. Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu fais quelque chose? Non. Okay. Je vais garder ma parade. Très bien. J'attends. Quel hasard. Que quel hasard. Il est attendu. Tu fais ce que tu veux, hein. En vrai, de vrai, fais ce que tu veux. En tuant le truc qui est devant. Donc, c'est je voulais relancer une boule de feu. Ouais, carrément. Donc je vais relancer une boule de feu mineure sur le mec le plus au nord. C'est lui là. Lui là. Très bien. Lui là. On a compris, il est là. Vous voyez, c'est Power Ranger vert. Lui là. Ah. Dommage. Tac. Bah t'as oublié de prononcer le sort, c'est dommage. C'est dommage. C'est après. C'est pas dommage, c'était des vacateurs. Ok, et bah du coup, quel hasard ayant foiré son sortilège, c'est à Tipognon. Et bah, je reprends une flèche. Putain, j'ai oublié de m'enlever une flèche tout à l'heure, attends. Je vais m'enlever deux flèches, comme ça j'oublierai pas. Attends, tu sais pas si t'arrives à monter. Oui, quoi qu'il arrive, elle va partir la flèche. Il y a un moment, je veux bien, c'est mais... Elle peut tomber à tes pieds, elle va récupérer. Si tu montes pas, techniquement, tu peux pas l'envoyer. Oui, mais je bande déjà. Bon, bref. Ok, j'attaque le plus balèze au fond là. Et puis au pire, si je retouche l'autre sans faire exprès, c'est pas ma faute. Si je retouche l'autre sans faire exprès, bon, c'est une manière intéressante. Je les trois d'un coup. Tipognon tire et la flèche se plante dans le temple à côté. Tu perds des dégâts. Tu en prends la toiture. Le tour entier est terminé. On va jeter un des 20 pour voir s'il se passe quelque chose. Ah. Un. J'ai peur. Du coup, c'est une réussite critique. Du coup, d'un coup, ils tombent tous morts. Je trouve que c'est une réussite critique du MJ, là. Non, pas bon. Vous entendez une voix vers derrière vous qui hurle « À moi, la garde !» Putain. Ouais, voilà, je vous l'avais dit. Vous me foutez dans la merde à chaque fois. Quoi? Eh bien, il y a un garde derrière vous qui voit qu'il y a une altercation devant le temple, ouais, en pleine rue.
Ouais, 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 forcément. Bon, en même temps, elle était juste à côté d'un magnifique temple. Non, je parle pas de la bouse qui est à côté, je parle de celui qui est derrière. Kestis, range la tunique. Votre temps est compté, que faites-vous? Ou l'inverse. Bah déjà, qu'elle fait le garde. Ouais. Pour l'instant, le garde, laissez-le tranquille. Ouais, ouais, laissez-le tranquille, franchement. Ouais. Oui, non, on touche pas au garde. Mais pour moi, il faut les buter très vite pour rentrer dans le temple pour aller sauver Barnabé. Pour aller sauver Barnabé. On n'a pas le temps de les buter. Mais on n'a pas le temps de les buter, mais du coup... Surtout que si on les bute devant les gardes, ça va clairement être un meurtre, et du coup, on va clairement se la prendre dans le... Luc. Ouais, entre autres. On va le prendre dans le Luc à l'envers. Et du coup, est-ce qu'il n'y en a pas juste quelques-uns qui occupent les méchants en combattant avec eux, et d'autres qui vont aller chercher Barnabé? J'ai tellement cru que t'allais dire, il y en a pas certains qui s'occupent des méchants pendant que d'autres s'occupent des gardes. Bah, est-ce que pendant un combat, on peut tenter des diversions, des trucs comme ça? Oui. C'est-à-dire... Ils ont essayé de lui couper la main, tu peux y aller. Est-ce que pendant un combat, genre, j'ouvre ma robe de chambre devant les gars devant? Je t'avoue qu'avec un... déstabiliser quelques secondes. Tu vas pas finir l'aventure en fait. Je t'avoue qu'avec un jet de charisme bien réussi, avantagé par la beauté du geste, je peux accorder de faire perdre un tour à un adversaire par simple what the fuck. Parce que si je fais ça, je peux éventuellement re-rentrer dans le temple de la Foune. Oui, à la rigueur. Allez, bah, c'est à mon tour, du coup, ou pas, là? Ah, j'avoue, Non. Guybrush, t'as le temps de rentrer, et j'aurais dit presque Stalas, parce qu'il tape jamais, mais... Mais où est-ce, je pense, si... plus? Non, plus Stalas, parce que peut y avoir quelqu'un en bas à buter. Stalas, il a une autre stratégie. Stalas, il a une... Du coup, un homme de main, l'homme de main le plus fort, va tenter de frapper... Stalas, mais il échoue lamentablement. C'est à Guybrush. Bon bah je fais ce qu'on a dit, allez, je fais un léger mouvement, je fais... Et où ça tunique ? Putain, ça passe. Putain, ça passe. Ça passe. Truc de fou. Ok. Le gars devant toi, il est en mode... Du coup, il est complètement paralysé. Il piche pas. Qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, après, je bouge direct. Je profite de sa déstabilisation pour re-rentrer dans le temple de la Foune. Ok. Nous avons Guybrush qui quitte actuellement le combat. C'est à... nous allons intervenir sur Guybrush à la fin de chaque tour. Du coup, l'homme de main qui a attaqué Guybrush perd totalement son action. Il est perdu. Stastalas, tu es entouré du coup de deux hommes de main qui en veulent à ta vie. Que fais-tu? C'est pas grave, il y en a un qui est désarmé et l'autre il m'a raté. Donc il peut pas me rattaquer. Et ben moi je vais m'enfuir vers le garde en criant: aidez-nous, messieurs les gardes, on nous attaque! Un move intéressant, nous y reviendrons plus tard. Fais-moi un jet de. Comment ça s'appelle? Un jet de charisme, STP. Si tu veux. Putain, ton jet de charisme est une réussite. Moi j'ai 12 et j'ai un 6. C'est une réussite. C'est bon. Oui, j'ai beaucoup plus de chances de réussir avec du charisme qu'avec une attaque. Intéressant. Nous allons donc revenir très vite sur ce fait. Merci beaucoup. Alors, c'est à l'homme de main du coup qui est désarmé. Il se tourne vers Oulai et du coup, n'ayant que ça, il sort ses poings et il attaque. Hein. Il touche. Oulai, est-ce que tu essayes de parer son coup de poing? Bah oui. Go. Tu rates. J'ai revu un 3 sortir sur le live, j'allais dire bravo! Mais non. Il y a un dé de latence. Il t'inflige 1 point de dégâts. Moins l'armure. Mais du coup, moins l'armure, Géro? Bah oui.
Cool. On n'avait pas dit, c'était un minimum. Alors, j'ai tendance à dire que moi, j'aime, dans les jeux, quels qu'ils soient, toujours infliger un point de dégâts. Ouais, mais et là, avec comme on les est dans points... le cas où il a brisé son arme, voilà, et qu'il frappe au poing sur une armure en cuir, de manière lamentable, encore plus, j'accorde le zéro exceptionnellement. On va dire que c'est logique. Parce que, bon, point, même, avec, même si t'as qu'une armure en cuir, faut pas déconner quand même, ça aurait été encore plus hilarant si t'avais été un paladin de Lul avec une armure de plate. Mais bon... C'est à quel hasard? Non, c'est à moi. Ah oui, pardon, excuse-moi, c'est vrai que tu t'es fait frapper. Parfait, vas-y. Bah, qu'est-ce que t'attends? Je t'attends. Alors moi, du coup, il m'a raté, et du coup j'en profite pour essayer de me glisser discrètement, tranquillement, pour rejoindre Kestis. Alors, t'es en plein combat, te glisser discrètement alors qu'il y a un gars qui te regarde les yeux dans les yeux en essayant de te frapper au point, c'est compliqué. Surtout qu'il y en a deux qui sont... Il m'a raté, il a fait un demi-tour. Alors, Stalas ayant bougé et enfui, il y en a trois autour de toi, si tu tentes de passer entre, je leur offre tous une attaque gratuite contre ta peau. Est-ce que tu vois ce que c'est qu'on repose basket? Elle va utiliser la technique du vanish. Alors oui, mais bon. Voulais, vanish et vous laisse disparaître. Je voulais aller Kestis, moi, à l'intérieur. Et vous laisse évanoui. Bah, t'as la même technique que Kestis, sinon. Hein. Ouais. Non, c'est bon. Non, bah, je vais franchement, t'es pas joueuse. Non. Ouais, franchement, là où je fais ça, je suis sûr que ça sonne pendant deux tours. Ouais, c'est ça. Non. T'es pas non, joueuse. Mais... Tu veux que je fasse quoi? Bah, à ton avis. Ah oh, merde. Alors, ça marche pas à tous les coups, faut pas déconner quand même. Pas ouais, mais c'est une fille. Et c'est une elfe. C'est pas faux. J'avoue, c'est pas faux. Vous me tentez, les gars. Ah bah, eux, ils sont tentés, j'en suis sûr. Vas-y, on va tenter un truc. On va rien de discret du coup. J'avance lentement devant les trois de vaurien là, en délarchant mon corsage de devant et en faisant pop, et je rentre dans le temple. J'ai de charisme. On est quoi? C'est un charisme de 17. Putain, la chose se passe. Pour la stupidité de l'action, je vais malheureusement pour moi l'accorder. Je vais. Elle passe et eux ils sont en mode. Alors infidèle, on essaye de s'enfuir. Ça j'ai la réaction. Je vais quand même leur accorder à tous les trois un petit jet de volonté parce que par pitié s'il vous plaît, soyez pas des bâtards. Il y en a un qui tombe pas dans le panneau. Non. C'est le gros. Du coup, tu essayes de passer, mais lui, il tente de te frapper. Ça mais tu passeras quand même. Ah. Pas possibilité de parade, par contre. Que... Il te touche. Aïe. Ouh. Il t'inflige 9 points de dégâts. Il, du coup, tu te frappes au passage, et du coup, tu arrives à glisser et à t'enfuir. Mais du coup, tu te prends un sale coup sur l'épaule et tu as mal, très mal. Aïe. Ouais. Mais je m'en fous, je suis rentré dans le temple. Tout à fait. Je me permets juste de transvaser. Vas-y. Oulai. Kielazar est un sort de gros, de masse. Là, c'est le moment du coup. Là, je l'ai pas encore, malheureusement. Dommage. C'est à Kielazar. Je passe à côté de Kielazar, je fais full feu au temple, sa petite version. Voilà, brute. Je commence par faire demi-tour, je me jette pour aller au-delà de Stalas qui essaie de fuir derrière moi, et je démarre une invocation de élémentaire de terre. Ah oh, ça change. Ah oui, oh non, il me faut un élémentaire de terre. Si, il sort. On a un tour qu'on trouvait. Oh là là. Alors que Dogo et Doggy c'était déjà prêt. Putain. Oh là là, fait... bon, on va voir ce qu'il fait, ça va, j'ai un tour. C'est un type oignon. Ça fait 3 tours sur l'attaque, il est sur Doggy Dogo là, il fait putain, mais il va le sortir, oui. Non.
Bon, en vrai, je redécoche une flèche dans le gros barbare là, qui fait du mal à tout le monde parce que bah, voilà, je défends mes amis. Ouais. Ok. La loi de l'amitié. Fort que tout. Putain. Non. Clique sur fumble du coup. Fumble, oui, Guy... tu appuies sur fumble, ça va automatiquement te calculer le petit fumble là. Guy Bros, Kelazar, Stalas, Oulet, on a bien fait de se barrer. Putain. Se blesse tout seul comme un cake, tu me tires un jet de dégâts. Mais comment... Ah bah il est fait. Il est fait, je crois, non le petit ouais, 5 là, je crois que ça va avec. Je crois qu'il est livré avec. Mais comment je me fais des dégâts avec un arc? Bon, en vrai, relance-toi un D6, c'est... Bah, si, tu essaies de te tirer. Ouais, c'est ça, tu fais un faux mouvement et tu te plantes la flèche dans le pied. Oui, on est d'accord, c'est nul, hein, mais bon. C'est pas possible. Bon, enfin, c'est toi qui as tiré 20, hein, écoute. C'est pas de notre faute si t'es un peu nul, tu vois. On peut t'as pas fait un échec critique, t'as su, hein. Non, mais. Tu veux un truc logique, ok. T'as tiré ta flèche et malheureusement, elle a ricoché sur le petit. Ça me va. Je trouve ça. Le petit bitonio là, putain, ta gueule. Je trouve ça plus marrant. Non, attends, faut que mais c'est moins physique. Mais non, j'enlève pas d'armure du coup. J'ai pas de. Bah non. Non, non, c'est un fumble. Voilà. Tu prends 100% de tes dégâts. Ah merde, vous voyez pas mon énergie vitale baisser. Pourquoi elle est pas à jour partout? C'est bizarre. Où est-ce que tu l'as mise à jour? Bah, dans la fiche perso. Mais c'est pas grave. Parce que j'avais déjà 28 plus dans la fiche de perso et là c'était à 30. Bon, bref. Tout est réglé. Ok. Le garde, du coup, qui voit la scène, approche. En plus, il me voit me tirer une flèche dans moi-même. Il peut ouais. Que croire qu'on se fait attaquer. Et il est tout de suite suivi. Il a pitié, surtout. Par deux gardes de la ville qui commencent à approcher aussi. Le nain, 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 le nain. Comme ça, Stalas le connaît. Mais comme ça, Stalas le connaît surtout. Mais toi aussi. Mais sire le nain, vous ici. Alors, c'est à. Au gros gars bien armé qui approche de Stalas et qui va l'attaquer. Et après son tour à lui, ce sera. Eh ben, il a touché. 6 points de dommage pour Stalas. Oh, déjà, tu vas te calmer, mon grand, hein? Je pars. Alors, Oulai, Guybrush, vous vous retrouvez dans le couloir du temple. Que faites-vous? Bah, on retourne au sous-sol. Ouais, direct, ouais. D'accord, c'est où le sous-sol? Bah, c'est à gauche. Moi, je suis Guybrush qui a les clés. Vous ouvrez la porte, vous tombez sur le bureau du vieux Bernard. Ouais. Oui. Il y a une porte dans le fond. Oui. Bah oui, bah c'est à vous de me dire où est-ce que vous allez. Ah bah on va dans la porte dans le fond. Très bien. On fuit le couloir et on descend. Ok. Moi ce que j'aime bien surtout c'est... Ah mon dieu! Dégâts! Il y a un deuxième Guybrush! Comment ça il y a un deuxième Guybrush? Oui attends. Il y a ton autre modèle qui doit être... Oui, traiter. Que j'ai oublié de supprimer, ouais. Voilà. Mon dieu, il y a des Guybrush. Bah c'est parfait, ça fait un allié, je crois. Multiclonage. Jagebush in no Guybrush. C'est ça. Ok, nous allons donc retourner pour un tour au combat de rue. Oh non, mais déjà, c'est défendre. En fait, normalement, je vous savais jouer plusieurs tours là. Normalement, vous auriez dû vous déplacer 3-4 cases au niveau de votre vitesse de déplacement et ensuite on aurait dû reprendre à chaque fois au combat. Ah, on va dire qu'on a. Moi, je me suis déplacé 3 cases, hein. Pas plus. Du coup, le deuxième homme de main approche de Typognon qui vient de se planter une flèche et profite de son inadvertance. Alors, il y a un petit cours d'eau là. Faut qu'il fasse c'est le tour. C'est un petit cours d'eau. C'est un petit je cours d'eau. Je suis mis là exprès. Mais c'est un petit cours d'eau, il saute par-dessus.
Il y va à la nage. Il fait un 5, il saute le cours d'eau, il est à côté de toi. Ok. Tu vois, sauf que toi, là, t'aurais été intelligent. Tu le vois sauter, tu sors ton épée, tu plantes. Bah, bah non, il a une flèche, il a une flèche dans le pied. Salaud. Il touche. Et il t'inflige. Je peux pas parer du coup? Bah, avec une flèche dans le pied, non. Ok. Et il t'inflige 8 points de dommage. Du coup, avec. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'elle est mon armure? Je l'ai trouvé, mais je vais faire ça. C'est à Stalas. Ah, j'avais pas vu, mais tu nous spoil du coup. On sait que c'est les jambes de main de Francis. On est sûr que c'est Francis. Pourquoi? C'est écrit dans le chat. Moi j'aurais besoin de savoir, pour mon réaction, j'aurais besoin de savoir si le garde il m'a entendu tout à l'heure ou pas. Bah s'il réagit comme si t'avais entendu en tout cas. Bah non, parce qu'il venait déjà vers nous à cause du KU. Oui, mais tu peux, alors, tu peux pas savoir si t'as... Stalas, qu'est-ce que tu fais? Alors, est-ce qu'il t'a entendu? Oui, t'as entendu, il arrive, mais tu connais pas encore ses intentions. Il est un peu loin, donc du coup, ça va être... compliqué. On va pareil qu'au tour d'avant, alors ça veut dire, mais cette fois-ci, au lieu de courir, parce que moi, j'ai couru pour garder mon jet de parade, et bah, je vais sprinter, comme ça, je vais aller loin, mais l'autre, il pourra pas me toucher. Ok. Apparemment, on oublie mes parades. Déjà qu'elle est pas énorme, ma parade. Pourquoi on oublie ta parade? 11 points de dégâts ou 8? 8. Qui m'a attaqué, il était parti directement après. J'ai même pas eu le temps de parer. Ouais, non. Du coup, c'est quel... Stalas fuyant, c'est quel hasard qui sera la victime du prochain... du chef des... combattants? Tu pourras remercier Stalas pour sa... pour son courage. Je comptais pas rester non plus. D'accord. Bah en même temps, si on a... J'ai bien fait de fuir, bordel. J'ai tellement bien fait de fuir. Mais c'était son tour? Oui. Bah non. Bah non. Ah, c'est pas lui. C'est non, pas mais c'est pas lui, on s'en fout. On s'en fout, c'est pas non, son tour à lui. C'est lui. C'est le tour du gag à côté. On s'en fout, c'est la même peine. Oui, mais il court super vite. Il court super vite. Il court super vite. Il a sprinté, là. Et ouais, il a un choix, il aura juste pas, il aura juste pas de parade. Et il a plus d'armes. Ah plus merde, d'armes. C'est celui qui est au point. Ça c'est lamentable. Putain. Il récupère son arme. Non, il a plus de hauts dégâts. Ah non, arme tranchante. Bah arme contendante. Hématome et luxation d'un membre. Bon bah tu subis un hématome parce qu'il fait attaque critique à main nue. Ouais, dégâts plus 2. Bon. Toujours mieux que rien. Toujours mieux que rien. Du coup, il fait 6. Non. 5. 5. T'as le droit à ton armure. Oula. Ouais, l'armure d'un mage, ouais. Attends, les attaques. Les attaques réussites critiques comme ça, elles sont pas censées être dégâts maximum? Non, non, du tout. Du tout. Ah bon, ça va alors. Non. T'as du bol. Ça aurait pu être l'autre. Puisque t'as pas le droit de parer en général. Là, c'est à quel hasard? Le ciel se noircit, des effets de feu et de foudre s'amassent autour de moi. Tandis que je tente d'appeler. Tandis qu'on va passer sur les autres joueurs parce que j'ai pas de pion pour jouer. Putain de ce que ça passe. Ah merde, ça marche. Fais chier. Oh, doux galac. Vierge à moi. Élémentaire. Bah tiens, je t'offre un élémentaire de terre. Voilà. Hop. C'est un élémentaire de terre, ça? On dirait un ninja, yep. Mais bon, c'est pas grave. Allez, épreuve de contrôle. Parce que c'est bien qu'il soit là, mais... Obéis-moi. Alors, il y a ça, plus... Ça passe. Putain. Je me sens en danger là. Je comprends rien aux invocations. Ouais, moi non plus. C'est pas grave. Il y a des milliards de jets, tout ça pour créer une machine à tuer.
Du coup, j'ai fait mon action de combat et je fuis dans le même sens que Stalas. Le mec, il invoque un démon majeur et le gars, il se barre. Faut pas oublier de le rajouter dans les turn order, non ? Si tu l'as pas fait. Oui. Et je lui dis de me protéger aussi. Genre, attaque les mecs qui me poursuivent. Sans blague. Merde. On va ce voir truc est un inventaire de terre, faites un effort. Il a un nom magnifique. Du coup, c'est à l'élémentaire de terre. Que fait-il ? Alors, tu pourras noter, je vais te donner son contrôle par contre. Ouais. Par contre, du coup, j'aurais besoin que tu notes ses points de vie et tout le bordel. Bon, là, on va faire à la main, mais. Je m'occupe de ça. J'ai pas fait de fiche de perso pour ça encore. Bien sûr, bien sûr. Hop. Alors. Ok, je. Du coup, l'élémentaire de terre se place derrière moi pour me protéger dans un effort tout à fait héroïque et attaque le mec qui me poursuit. Ok. Avec son attaque absolument incroyable de 9. Putain, il y a plus de chance de toucher que moi le bâtard. Et il touche. Eh bah dis donc, ça fait combien de... bah vas-y, pars alors mon gaillard là. Bah non, il peut pas parader parce que je lui dis qu'il se tape le sprint du siècle, donc non, c'est mort. Mais ouais. Donc vas-y, c'est à toi, vas-y. Je paye ma connerie. L'élémentaire extrait un rocher de son propre corps et lui balance à la gueule. D'accord. Du coup, ça va bien de se déplacer. Ça déconne zéro. C'est beau. Hop. Ça inflige 5 points de dommage. J'avoue, je suis pas si impressionné que ça. Hop. Ok, par contre, ça doit être un sac à PV, non ? C'est des dégâts physiques et c'est raisonnable. Ok. C'est à typo. Je sors mon épée longue et j'attaque ce mécréant ! Allez, vas-y, porte. Vous allez arriver. Merde. C'était intéressant. Allez. Donc. Voilà. Je me suis juste tourné con face à lui, par contre. Voilà, mais voilà. C'est aux gardes de la ville qui approchent de Stalas et qui font « N'ayez crainte, citoyens, nous allons vous protéger !» Oh putain. On n'est pas du tout. Ah, ma stratégie a marché. Stalas, on n'est pas du tout habillé en citoyen. Et si, c'est un noble. Pas sûr. Bah, si jamais il voulait me taper, il serait resté devant moi, il serait pas passé sur le côté. Du coup, le. Je prends ça comme une défense. Ouais, c'est bon. Le gros homme de main se tourne vers Typo et saute la rivière pour se mettre devant lui. Faut arrêter là. Vous voulez que je meure en fait. Mais non. Heureusement, désarçonné par son bond, il rate son coup. C'est donc à présent que nous allons retourner sur nos deux comparses au temple de la Foune de Nuit. Ils sont là deux fois les mécréants. Oups. On n'a rien vu. Ah merde, bah, une connerie. À la rigueur, tu laisses Francis, mais. Tout noir. Ta gueule. On a le même réflexe ce matin. Ah, c'est bon, c'est parfait, c'est fait. Ah purée, okay. Derrière les caméras, c'est mignon. Brouillard de guerre. Que faites-vous ? Il y a le vieux Bernard en face qui est endormi. Qu'est-ce que vous branlez ? Est-ce qu'on peut avancer jusqu'à la porte que j'avais ouverte, du coup, tout en haut ? Tout à fait. Moi, je te suis. Bah, ok, j'attends qu'il n'y ait plus de brouillard. Attends, on avance très un bien, peu, très alors. Plop. Plop. Hop. Plop. Eh bien... Vous voyez la porte qui est ouverte et vous entendez
une voix qui dit « Comment est-ce que t'as fait pour apporter les renforts? Je vais te uriner si tu continues !» Hein ? Ah putain, il y a qui vient de la cellule. Ok. Bah, que faites-vous ? Bah, on se met devant. Bah, je me remets devant comme tout à l'heure pour voir... On rouvre la porte ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah, la porte est ouverte, Francis ! Hein. Pardon. Et bah justement, c'est Francis qui est là avec un couteau et qui voit et qui fait « N'approchez pas !» Magnifique, vous savez pas ça. Magnifique. On peut refaire des poules. Dans le DF, t'as pas 10. Toi qui es devant, vas-y. Il est armé d'une dague courte. Donc vraiment un cure-dent, quoi. D'accord. Donc moi, dans ma grande bonté, je lui dis « Francis, ne vous inquiétez pas. Nous sommes à la recherche de Barnabé. » Qui est tous derrière? Ah, c'est Barnabé qui est derrière. Mais oui. Alors... Ah merde, pardon. Bah, on l'avait pas dit que c'était lui. Ce qui est cool, c'est que... Il va suriner quelqu'un. Je vais faire chier mon Barnabé. Ah d'accord, bah oui. Bah, okay, on va pouvoir nous raconter plus tard et on va faire... Ok, Gaïbre, je me rends compte vraiment sur ça, je prends des plus des Moi, j'étais à deux doigts de me dire « Vous inquiétez pas, Francis, on vient vous sauver !» J'ai cru aussi à un moment. Autant pour moi, j'avais pas capté que c'était Barnabé qui était là. Ah, JPP. JPP. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, Woulet? Je te passe la balle, hein. Tu passes la balle? Woulet, il y a un gars, il a un couteau, il est comme ci, comme ça, qu'est-ce que je fais? Ok, Guy, le mec devant toi, c'est Francis. C'est lui qui a fait du mal à Barnabé qui est derrière. Non, 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 Woulet, tu t'arrêtes. Guy, c'est un méchant, tape. J'avoue, ça ira plus vite. Guy, assomme-le, désarme-le, fais ce que tu veux, mais faut qu'il arrête de suriner quelqu'un. Bah, je désarme, allez. Ok, tu sors ton sabre, tu lui donnes un coup et puis il lâche l'arme et il fait NON. Toujours les mêmes pour les combats faciles, hein. On a fait des trucs bien avant. J'ai quand même perdu la moitié de ma vie, hein, tout à l'heure, presque. Attendez, vous deux, vous vous foutez à poil. Vous arrivez à esquiver le combat pour avoir un combat facile. Nous, on se fight pour de vrai. Et ça se trouve, on va devoir s'affronter la garde et les hommes. Mais non, parce qu'on va revenir avec Barnabé, t'inquiète. Ah là là. Ok. Du coup, vous avez... Vous êtes face à un Francis désarmé à genoux et suppliant pour sa vie. Et à un Barnabé blessé derrière. Qu'est-ce que vous faites ? Ok, moi déçu, j'arrive, je mets ma dague sous la gorge de Francis et je lui dis « Maintenant tu me suis !» Et je fais « Guy, tu prends Barnabé avec toi, on remonte et on va voir la garde pour dire que Francis a tabassé Barnabé, l'a kidnappé, tout ça, tout ça. » On va boucave, quoi. C'est ça, la réplique ? J'aurais fait « Putain, moi je m'attendais à un vrai méchant, merde ! Et surtout face à un mec à pleurer !» J'avoue. Ok, alors... Pas de problème. Du coup, on retourne sur l'extérieur, où le combat bat son plein pendant que les autres sont en train de remonter avec l'objet de votre quête. Et du coup, qui remonte avec Barnabé, du coup ? Qui prend Barnabé ? Guy prend Barnabé, d'accord. Et moi, je menace Francis pour qu'il me suive. Très bien, très bien, très bien, très bien. Vous avez Barnabé qui vous dit d'une voix demi-réveillée et extrêmement blessée « La clé, ne le laissez pas partir avec la clé !» D'accord, du coup, comme j'entends ça, je dis à Woulet « Merde, Francis aurait apparemment une clé sur lui, fouille-le !» Ok, je le fouille. Très bien. Pendant ce temps, en ville, c'est le bordel, et les gardes débarquent. C'est donc aux hommes de main de reprendre l'action. C'est l'homme qui est à côté de
petit pognon qui prend les armes et l'attaque en premier. Encore ? Oh ! Encore ? Encore ? Ils viennent de m'attaquer juste avant ? Bah oui, le truc c'est que c'était le gros, maintenant c'est le petit, celui qui t'avait attaqué la première fois. Ok, c'est bon, ça va. Ils sont plus... je vais vous spoiler un truc, ils sont 3. Par contre, j'avoue que le petit 1, j'ai pas venir. Je vais mourir. Non. 17. C'est quoi 17? Je vais mourir. Ça fait quoi? Je vais être handicapé. Wait. Non, ça tu es depuis ta naissance, mon petit Thibaut. Encore plus. On va perdre notre chef de groupe. Typo subit 9 points de dommage. Sans armure, j'imagine. Alors, si tu as le droit à ton armure, cependant, sache que je vais te rajouter un petit signe sympa à côté de ton personnage. Oui, sympa. Hop. Sympa. L'homme de main débarque avec sa dague et te l'enfonce dans le sternum. Tu sens la douleur qui te l'enseigne. Alors qu'il la retire, tu vois le sang qui explose. Tu es en état hémorragique. À partir de maintenant, chaque tour, tu perdras un des 6 PV jusqu'à ce que quelqu'un te soigne. Putain, je peux me soigner moi-même ? Quand t'es en hémorragie, souvent, c'est compliqué. Ok. Alors, j'en connais. Natiz, il y a une amie qui a une histoire comme ça, mais oui. Bref. Alors, tu peux te faire, moi je suis secouriste, tu peux t'auto-faire un garrot, par contre, se faire un auto-garrot sur le sternum, ouais, c'est compliqué. Compliqué, ouais. Ok. Alors, ensuite, tu peux, si t'as le matériel. Que je n'ai pas, bien sûr. Mais si tu veux te faire un truc comme ça, faut le faire, alors que du coup, t'as pas de mecs qui sont en train d'essayer de te suriner. Hein. Parce que, ok les gars, pause, seconde, je me bombe, et j'arrive où la tête la tronche. Je vous jure, attendez, je suis venu m'enrouler dans cette... dans cette fumerole, et promis, je vous défonce après. C'est à Stalas. Que fais-tu, Typognon, ton compagnon de toujours, celui que tu n'as pas tué dans une autre vie, est en danger. Que fais-tu? Attends, 1, 2, 3, ouais, si ça passe. Eh ben, je vais me mettre derrière l'agent vert, tout en disant, regarde, je ferai de mon mieux pour vous aider à arrêter des malfrats. Et je vais taper, et je vais essayer de taper pour assommer. Je vais essayer de frapper avec le plat de ma hache l'homme en vert. Parce que si je le bute, le garde il va me regarder chelou. Ok, très bien. Allez, je crois en la puissance de l'amitié. Putain, la puissance de l'amitié, je l'emmerde. Sur ce, c'est à l'homme qui est en face de Quel'Hazard, et du coup, voyant l'élémentaire. Il tente de fuir. L'attaquer. Ah, même pas. Absolument pas avec ses points. Parce qu'un élémentaire face à des points, c'est stupide. Et cet homme décide de se taper le sprint de sa vie. Et de se fuir lâchement. Là, il en fait des sprints. Ça me paraissait le plus logique, ouais. Mais clairement, c'est le plus logique. Quel'Hazard, que fais-tu? Il a beaucoup de sprints de sa vie, quand même, le petit gars. C'est vrai. Je tente de taunt les vilains. Ok, vas-y. Non, j'ai pas d'insultes en réserve. Eh, les Romains, vous êtes des Romaines. Eh, les vilains, mon élémentaire en terre cuite, il est plus beau. Il utilise ta tête. Belle référence. Faut trouver un taunt, hein. Faut taunter, là. Ouais. Sinon, tu me tentes un jet de charisme brune et je taunterai à ta place, en fonction du résultat. Mais fais gaffe, si le résultat est mauvais, je serai sans pitié. On peut l'aider. Eh, hey, bande de couilles molles. Tu vois celui-là qui est en face de Thibaut, tu lui fais « Hé, hey, ta mère peut confirmer que ma bite, elle est plus longue que ton épée !» Oh putain. Oh la finesse. Elle est bien. Et vilain, même en ayant dit, laissez une couille dans le temple, j'en ai plus que vous. Ah, elle est bien celle-là. Allez, elle passe. Du coup, tu veux un jet de charisme quand même. Ouais, je veux bien un jet de charisme, s'il te plaît. Pour voir si t'arrives à en choper un ou deux.
pour savoir si jamais t'arrives à lui hurler suffisamment fort. Ah. Oh, joli. Très bien. Très bien. C'est à ton élémentaire de terre, que fait-il ? Il se rapproche donc parce qu'il est trop loin et il rebalance un caillou sur le mec en vert. Ah, il peut attaquer à distance, c'est fort ça. Attends, faut que je vérifie. Je sais plus s'il est à 2 ou 5 mètres de portée. Ah, c'est cool ça. Ouais, c'est bien de lancer des cailloux. Puis en ville, ça va, des cailloux il trouve quoi. Ouais, ça va. Non, il a 2 mètres. Au pire, il est bon sur lui. Hein. Encore ça passe, ça passe. Ça passe de là-bas ? Ok. Ouais, 2 mètres, ça passe. C'est 1m50 une case. Et du coup, il se lance à... Donc... J'ai dit combien ? J'ai dit 9 en attaque. Ça passe. Ça passe. Est-ce qu'il part ? Est-ce qu'il esquive ? Il ne fait rien. Bah, il... Ah oui, hein, j'étais en train de me dire, putain, est-ce qu'il met un caillou ? Bon, selon les règles, il peut parer, hein. Il réussit à parer, il part un caillou, c'est assez impressionnant, mais il part un caillou. Du coup, avec une dague, j'avoue que la prestation est impressionnante. Petit pognon, c'est à toi, que fais-tu ? Fuis, mon sauce, fuis ! Va te faire soigner par un garde. Fuis derrière Stalas et je m'écroule. Très bien. En tenant, tu lances. En faisant un truc comme. Attends, un truc comme ça. Ah. Tu subis 2 points de dommage de saignement. Bah ouais, bah. Stalas, c'est la mort. La garde arrive. Elle accourt. Ils arrivent face aux hommes de main. Et alors qu'ils voient la garde débarquer, vous les entendez jurer. Merde ! La garde ! Et là, ils tournent les talons. Et ils sautent la rivière pour tenter de fuir. Est-ce que vous tentez de les poursuivre ? Alors, moi, non. Bizarrement. Ça dépend. Est-ce que les gardes semblent partir à leur poursuite aussi ? A priori, oui. Moi ! Alors, je vais essayer de lesquer Lazare et les deux qui sont pas là. Tant pis. Bon, fou, c'est typo lion, j'ai déjà plus. C'est pareil, j'essaie d'attraper le petit verre. Ok. Voilà, celui-là. Bah, vas-y, go. C'est quoi, là ? J'ai de force, adresse ? Bah non, t'attaques, allez go. Attaque ? Ouais. T'es sûr que tu me prépares pas là pour son adresse ? Non. Belle prestation, ils fuiront. T'es sûr que tu me prépares pas l'adresse moi ? N'ayez crainte, vous aurez l'XP du combat, oh là là. Non, c'est pas pour ça, c'est que j'aurais eu plus de chance avec l'adresse ou l'attaque. Sur ce, les adversaires fuient. La garde part à sa poursuite. Putain, on n'a même pas à répondre aux questions, c'est cool. C'est ton charisme naturel. Bah, voyant que eux ils fuient, d'ailleurs, il y en a un qui va partir à la poursuite de l'autre couillon à gauche. Hein. Ah, tout de même. Et sur ce, au bout de quelques instants, les rues sont désertées. Vous supposez que vous auriez dû rester à votre place, mais bon, après tout, rien ne vous oblige à rester là tout de suite maintenant. De l'aide. Au bout de quelques instants. Hey, ça fait mal un coup dans les poumons, hein. Connard, aide-moi. Voilà, c'est donc ça ce que ça fait le Covid sur les gens. Alors, moi je veux bien t'aider, le problème c'est que j'ai rien pour soigner. Et au bout de quelques instants, vous avez Woolley, Guybrush, qui sont précédés d'un homme qui le menace de la pointe de leur épée, et d'un homme qui est dans sale état, blessé, avec eux. Alors, que faites-vous ? Bah, moi, je veux savoir déjà ce que j'ai trouvé sur mon bonhomme. Ah, la clé. La fameuse clé de Charles de Martigan. Cool, j'ai la clé sur moi. La clé du coffre-fort. Woolley, il nous faut des soins ! Tipo est en train de mourir ! Mais j'ai rien, moi ! C'est pas toi qui les as ? Mais quel soin ? Quelle broche ! Il nous faut des soins ! Alors, hors RP, moi, j'ai premier soin. Ça m'aide à me soigner, ou c'est juste que ça peut... Je me rappelle plus ce que ça fait. Bah, je sais pas ce que ça fait, mon premier soin. Ouais, c'est... Tu l'as noté ou pas sur ta fiche de perso ?
Non, j'ai juste marqué premier soin. Et je suis en train de chercher le dossier Nalbuck et je le trouve pas, donc... Attends, attends, j'arrive. C'est pas sérieux tout ça. Et en fait, je suis en train de chercher le... Même Google Drive est en train de... Premier soin, le personnage maîtrisant les premiers soins aura plein d'amis. Il peut faire récupérer quelques points de vie à ses camarades tombés au combat pour peu qu'ils réussissent une épreuve de moyenne adresse intelligence. Ok. Eh ben écoute, adresse ou intelligence. Ah non, c'est moyenne adresse intelligence. Donc tu prends la moyenne de ton adresse et ton intelligence et tu me fais une épreuve là-dessus. Et on voit si t'arrives à te stabiliser. Alors, petit pognon qui se stabilisera tout seul. 12, 10, donc ouais. Ça fait 11. Donc un petit T'as pas soin des blessures mineures, toi Pas encore. Non, pas encore. Donc un des 20. Et d'ailleurs, jamais. Je suis pas sûr qu'on peut appeler ça une blessure mineure. Pardon pour vos oreilles. Tu récupères le full point de vie de la compétence, donc je sais plus, je crois que c'est un des 6, donc tu récupères 6. Et en plus de ça, tu stops l'hémorragie. Joli. En fait, il avait juste frappé une artère et du coup, ça avait pissé le sang, mais en fait, c'était pas si grave. T'es juste une chouineuse. Bon, tu veux dire. Ah, un tour, à moi, j'ai quelque. Ah non, j'ai rien. Ça va, c'est ça. Ah non, en fait, ça va, j'ai la forme. Excusez-moi. Bon, bon, voyons ça, j'ai le droit de réagir comme ça. Quel hasard, ça te dérange si je lui coupe la tête. Oui, mais surtout loin de mes vêtements, s'il te plaît. Alors. Bon, bah, éloigne-toi un peu. Au bout de quelques instants, et là, le rétablissement de type oignon, vous avez l'un des gardes qui revient. Et qui vous dit merde, bon, on n'a pas réussi, on a réussi à les choper, on a réussi à en choper un, les deux autres se sont enfuis. De toute façon, celui qu'on a chopé, il était blessé, il va probablement pas s'en remettre. Bon, faut vous m'expliquer ce qui s'est passé là. Ok. Moi, alors, je suis pas en état. On va faire très simple. On a été engagé par Monsieur de Martigan pour retrouver Barnabé Floutard, qu'on a retrouvé dans les sous-sols du temple. Menacé par le monsieur là que vous voyez juste devant moi. Et lorsque nous l'avons trouvé, nous nous sommes fait attaquer par les trois brigands que vous avez poursuivis. Le... Francis. Je suis pas sûr que menacer quelqu'un serait très légal. Je menace pas, je dis qu'il est devant moi et que c'est lui qui a menacé l'homme qu'on recherchait, qui avait disparu depuis une semaine. Ouais, mais je te rappelle que t'as la dague sous son... Oui, mais bon, d'un côté, si c'est pour empêcher de menacer, donc c'est pas pareil. C'est pour l'empêcher de tambouriner le mec qui est tout flagada, tout plein de champs et tout. Tout de soin, de soin. D'ailleurs, faut faire un plot de ce mec. Du coup, le Francis fait « Mais non, c'est une effroyable méprise. Vous voyez bien, je suis menacé par ces énergumènes dangereux. » Est-ce que vous avez des preuves? Nous avons un témoignage. Et de qui? Des gardes de la villa, je sais plus comment ça s'appelle. Des gardes de la villa à côté du club de Jolis Fanfans vous ont vu avoir une altercation plus que violente avec Monsieur Barnabé ici présent. Barnabé est dans un état lamentable, atteste qu'il s'agit bien de Francis qui lui a fait subir des sévices, lui et avec ses hommes, et des sévices qui ne font clairement pas partie du manuel de la Foune. Ah oui, il n'est pas dans le SM. Ah, je suis déçu. Ah bah vous voyez, on a un deuxième témoignage en plus. Du coup, le garde, un peu décontenancé, fait bon, et eh bien. Eh bien, nous allons prendre en charge cet énergumène et le mettre en geôle, tandis que je vous recommande de prendre votre ami là et de l'envoyer à l'hôpital le plus proche. J'ai le droit de faire un Scooby-Gong. C'est-à-dire? Essayer de démasquer Francis. Francis, c'est donc... Francis! C'était donc Charles de Martigan. Il voulait récupérer ses propres effets personnels avec sa propre clé. Du coup, le garde se saisit Francis et il l'amènera avec lui au poste de garde et même à la prison pour le coup. Tandis que Barnabé vous dit « S'il vous plaît, j'aimerais que vous m'emmeniez voir
Monsieur de Martigan. Alors, dans ton état, mon petit père, Dans ton état, je dirais. Est-ce qu'on peut. Non, mais il a. On peut au moins lui donner à boire et à manger, déjà, dans un premier temps. Ou alors. Oui, tout à fait. Ou oui. Alors, on peut aussi prendre la clé, aller voir monsieur de Martigan et l'accompagner à l'hôpital. En parallèle. Moi, je dirais plutôt qu'il y en a une partie qui va commander à l'hôpital et on va chercher monsieur de Martigan pour l'amener à l'hôpital le voir. Ouais. J'ai pas envie de donner la clé à de Martigan sans la présence de Barnabé. Je veux être sûr que tout va bien. Très bien. D'accord, bah moi je vais appeler la grand-mère et la femme alors. Non, la femme elle va le suriner et faut pas faire ça. Ils se débrouilleront entre eux. C'est la femme quand même. Mais ouais, du coup on l'amène à l'hôpital et puis il y en a deux qui vont chercher de Martigan et qui le ramènent à l'hôpital. Et il y en a un qui va chercher la famille si veut. Au moins les prévenir qu'on l'a retrouvé. Il est à l'hôpital, vous pourrez venir le voir un peu plus tard. Très bien. Comme vous avez été embauché par Jean-Claude Balagru, Charles de Martigan se laisse facilement convaincre de vous accorder une audience. Vous lui rendez la clé et c'est avec un grand soulagement qu'il la récupère et vous remercie chaudement. Pas comme à la façon de la foule, j'espère. Hein ? Pas comme à la façon de la foule, j'espère. Non. Ce n'est que 4 jours plus tard, après avoir été invité dans les appartements luxueux de monsieur de Martigan, avoir été offert à boire et à manger d'autant de qualité pendant ces 4 jours. Donc récupérer nos PC, nos PV. Oui. Voilà. Et après avoir revu, vous revoyez donc au détour d'un repas, Barnabé Floutard accompagné de Charles de Martigan qui viennent vous remercier. C'est monsieur de Martigan lui-même avec à sa gauche Barnabé encore entièrement pansé de partout et à sa droite Jean-Claude Balagru qui vous annonce « mes amis, merci beaucoup. Grâce à vous, notre affaire a réussi à fleurir. Nous avons pu conclure notre marché. » Et la mission est un succès grandissant. Suite à ce bon traitement chez nous, j'aimerais vous offrir un cadeau supplémentaire en plus de l'argent promis par mon ami Balagru. Donc déjà, il vous tend bien entendu le paquet de pièces d'or qui avait été promis pour la mission, de 2000 pièces d'or, sonnantes et trébuchantes, dans une bourse des nains des mines. What? Une bourse Alors, je sais plus combien il y a de bourses. Il y a qu'une seule. Une bourse, ça fait combien? 250. Bon, bah, il y a une bourse et le reste, c'est largué sur la table. Enfin, c'est empilé sur la table alors que vous arrivez. Démerdez-vous pour déplacer tout ça. Deuxièmement, il vous donne un cadeau supplémentaire. Il vous dit j'aimerais vous offrir un cadeau plus personnel. Je voudrais vous offrir ceci s'il y a une caisse en bois. Et un de ses serviteurs vient ouvrir la caisse et vous montre qu'il s'agit d'une caisse de Grand Cru Château Martigan. J'en étais sûr. Du vin de très très grande qualité et de très très grande valeur. Oh, merci mon cher ami, elle sera parfaite dans ma cave. Dans ta cave? Oui, il y a une cave. Il y a une caisse, on va se les partager. Mais vous pouvez venir à la maison, voyons mes amis. Alors, de toute façon, je suis sur le chemin avec vous, je vais pas la siffler chez moi. Et bien entendu, vu que c'est le moment du butin, ce n'est pas terminé. Vous gagnez un total pour tout le monde de 101 points d'XP qu'il va falloir diviser pour tout ce beau monde. Voilà, du coup, 20 points d'XP par tout le monde. 20,2, j'accorde 21 points d'XP à tout le monde. Je suis niveau 2. Je suis niveau 2. Moi aussi. Mince, comment on fait? C'est bon, parfait. Je suis sur à 101 sur 100. Je suis à 11 sur 300. Pour niveau 2, du coup.
Okay. Du coup, l'expérience se remet à zéro. L'expérience, faut la remettre à zéro. Bah, du coup, j'étais à 90, donc j'ai rajouté plus 10, niveau 2, et donc plus 11 dans mon niveau 2. Qui démarre à 11, du coup. Ok, donc je... Tu remets ton expérience à zéro, tu montes le niveau total, et tu fais ton... Donc on repart à zéro. Comment ça, tu gardes le total à zéro. Monsieur le GM, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien, je gère pas les fiches de perso. Je sais pas comment c'est quoi le problème, c'est que dès que vous passez niveau 2, l'XP retourne à zéro. Non, elle retourne non, pas à zéro. Oh là là, pas tous en même temps quand même. On veut savoir si quand tu passes de niveau, là par exemple, j'ai 103 points. J'ai 103 XP et 100 XP, je passe au niveau 2. Est-ce que du coup, là il me marque 300 pour le prochain niveau? Est-ce que je remets à zéro et qu'il me faut 300 XP en plus? Ah non, eh oh, c'est où là? Non, c'est vous avez 103, t'as 103 points d'XP, voilà. Et maintenant tu vas monter jusqu'à 300. Une fois que tu seras à 300, tu passeras à niveau 3. Okay, non, heureusement, parce que sinon ce sera interminable. Bah ouais. Donc, bon. Voilà. Donc on garde. Donc l'équipe complète passe niveau 2? Ouais. Oui. Ouais. Cool. Il faudrait étudier ça. Il y a des points bonus? Bah à part les 5 points d'XP pour Kestis, pour sa nudité. Ouais. Le reste, non, ça s'est bien passé pour tout le monde. Ok. À part pour Tipo. Arrête. Il s'en est sorti. J'ai retilté sur la clé, je te rappelle. C'était pas gagné. J'avoue qu'on a envoyé les deux, ils ont eu l'info sur la clé, c'est les deux qui se souvenaient pas de tout ce qui passait depuis le début. On a eu chaud. Alors, qu'est-ce que vous faites? Les deux qui sont décarcassés pour avoir les infos. Hein. Qu'est-ce que vous faites de toute cette thune? Du shopping. Bah oui. Du shopping. Alors le shopping, on le fera en off, mais vous avez quand même une seule bourse d'énamine avec 250 pièces d'or et 750 pièces d'or. En libre service sur une table. 1750, tu veux dire? 1750, c'est vrai qu'il y a 2000 pièces d'or. En vrai, moi j'ai possibilité d'en mettre 325 dans ma bourse. Donc je crois que si on divise en 5, ça nous faisait 400 pièces d'or chacun. Attends, moi, mais vous avez tous suffisamment de bourse? Non. Moi je voudrais revoir un truc. Moi je veux bien prendre la bourse. Avait... En plus. Ah bah forcément. Quoi? Oh, faut que je retrouve un truc. En fait, il vous reste combien de places dans vos bourses? Ça va être assez simple. Comme tu nous as dit qu'on avait 4 jours, je veux savoir si je peux acheter 2 bourses pour ajouter mon total. Le truc, c'est que je sais plus à combien coûtent les bourses. Mais ça, tu le feras. Moi, après. Je veux bien juste. Genre, il faut les je veux juste les récupérer pièces. La bourse. Mais justement, si pendant les 4 jours, j'ai des bourses, il me faut des bourses pour savoir combien je peux remporter en total. J'avoue qu'on savait la somme, on peut avoir acheté des bourses chacun pour... Pour prévoir le coup. Pour prévoir le coup, si ça te va, Sonata. Oui, en effet. Moi, je vais avoir un problème parce que je peux pas porter plus de 10 kilos. Pareil aussi. Et je suis déjà... Bon, je sens venir... Le bordel administratif total. Oui. Sur ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter là pour ce soir, parce qu'il est déjà minuit. Nous allons faire une séance bordélique administratif équipement évolution la semaine prochaine. Je pense pas que ce soit intéressant de liver pour le coup, donc on reprendra du coup la prochaine aventure dans 2 semaines. Ce sur quoi, pour nos chers auditeurs, je vais faire un cliffhanger. Ah. Et pour nous aussi, du coup. Tout à fait. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve ce week-end pour faire l'administratif chiant, et on revient mercredi. Je préfère qu'on fasse ça. Je crois que le MJ a besoin de 2 semaines pour préparer l'aventure. Stalas était à regarder, du coup, la caisse de bouteilles. Et le serviteur dit « Nous avons reçu une lettre de Glarg pour Monsieur Stalas depuis sa demeure. » Il y a une lettre dans la caisse. Stalas. Bah, je prends la caisse et je l'ouvre.
dans la lettre. La lettre. Et j'ai pas précisé après. Oui, je me suis rendu compte après coup. Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre? C'est une lettre qui te raconte que du coup, les affaires de ton domaine se portent bien. C'est une lettre de ton majordome qui t'indique que apparemment tout se passe bien. Large. Bref, c'est plein de boniments, voilà, et de bonnes nouvelles, et que globalement ton majordome a réussi à trouver un maître d'armes pour toi qui, contre une somme modique, te permettra d'améliorer tes compétences bien plus que mauvaises en escrime. J'hésite encore, je t'emmerde et c'est pas faux. Franchement, c'est pas faux, je t'emmerde. Heureusement, Janiouf n'est qu'à quelques jours de marche. Le Glarg. Oui, j'ai vu ça sur la carte. Que va-t-il se passer? Et ce qui est drôle, c'est que tu dis à quelques jours de marche, je m'en fous, j'ai un cheval. Donc, quand le cheval que tout le monde, de Stalas que tout le monde a oublié à chaque séance aura fait sa réapparition pour transporter du matos. Sur ce, on va dire à tout le monde à dans deux semaines pour savoir ce qui va se passer à Glarg au domaine de Stalas. Et sur ce, eh ben, bonne soirée tout le monde. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.